Là, il accepte de diffuser ou pas? C'est quand même dingue. Ah ouais, il y a eu un faux départ. Là, ça marche du coup. C'est dingue. Bonjour à toutes et toutes, hein, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un peu le nez pris, j'ai bon ma fatigue de la semaine, mais qui est normal. Là, normalement. Voilà! Là, normalement, ça devrait bien se passer. Ouh, quelle aventure! Ah, j'aurais pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Voilà, je suis enfin en ligne. C'est dommage, j'aurais pu démarrer quelques minutes plus tôt si j'avais pas eu un faux départ d'émission. Ouais, hein, j'ai le nez pris, ça me brûle, c'est chiant. Enfin bon, on a connu pire. Je ne sais plus si je pouvais le faire à la souris. Attends. Parce que, à vrai dire, si je me programme. Attendez voir. Pour mon grand confort. Tac. Voilà, ce sera avec 6. Ah, il y a du monde. Attendez, bonjour. Bonjour, Olive. Moi, ça va, j'ai un petit peu le nez pris. Attends, il y a le son de la musique. Le son de la musique était un peu fort, pardon. Oui, ça va dans l'ensemble, merci, j'ai un peu le nez pris. Mais c'est surtout à toi. Et d'ailleurs, tu es une demoiselle, je vois, pour te saluer en levant mon chapeau. Non, j'espère que toi, ça va mieux là, après tes déboires de chauffage, etc. quoi. J'espère que tu vas pouvoir m'écrire comme quoi t'es revenu à la normale. Enfin, je te lirai paisiblement. J'ai sorti pour une fois la tablette Pro qui est 3 fois plus performante que ma perso, parce qu'elle est encore en PLS, ma perso. J'en ai marre. Et au moins que j'ai un retour chat. Parce que là, comme je suis un vieux jeu, ça éclate tout ce qui est résolution et je vois plus le chat convenablement. Donc, j'ai pris mes dispositions ce matin pour pouvoir vous lire sans trop de galère. Oui, ça y est, je crois que tu me rédiges déjà un pavé. Alors, est-ce que j'ai réussi ma manip? Oui, c'est bien. En fait, je peux littéralement jouer au jeu rien qu'à la souris. J'ai même pas besoin du clavier, comme j'ai la chance d'avoir quelques boutons sur ma souris personnalisable, et comme c'est un jeu entre guillemets basique, bah j'ai tout à la souris. C'est cool! C'est top confort. Revenez demain, j'aurai un truc sur le cerveau, et puis rien que par la pensée, je jouerai comme ça. Par la magie du démon. Ah d'accord, ok. Tu peux faire passer à autre chose, mais c'est pas encore. Ouais. Je te souhaite bien du courage. C'est terrible. Ouais. Passons à autre chose. Ouais, on se change les idées, t'as bien raison. Alors, pour changer les idées, si je puis dire, je vais vous parler de Twitch avant de vous parler du jeu. Entre guillemets, ça vous laissera le temps d'arriver. Pour ceux qui veulent voir les suites de mes aventures en direct. Ah, j'avais oublié cette cache, tiens. Alors, Twitch. Je me suis fait entuber comme un bleu. Je vous explique ma misère. En fait, depuis que je suis arrivé affilié et que j'ai le droit d'avoir mes émoticônes, un point positif, c'est que là j'en ai une sixième de débloquée parce que j'ai eu, avec votre générosité de fou furieux, une avalanche d'abonnements là sur mon canal. Et évidemment, c'est des quotas, hein, toujours l'histoire de Twitch pompe à fric. Si vous avez X abonnements sur votre chaîne, ils vous déverrouillent des trucs en récompense, quoi, parce que vous rapportez des thunes.
Ça m'a déverrouillé un sixième emplacement d'émoticône que je me suis empressé de charger la mule, là, de remplir, qui est l'icône PLS. Vous avez même d'ailleurs, depuis hier, j'ai pris le temps de programmer ça en me fendant la poire. J'ai lié un son en fait à l'émoticône PLS quand vous la balancez dans mon chat. Alors je crois qu'elle peut se lancer qu'une fois tous les quarts d'heure, hein, c'est pour éviter les harcèlements et que ça devienne chiant. Bonjour Zex de Citron, j'espère que tu vas bien. Bon, ça c'est le point, on va dire, positif de Twitch. Là où je me suis fait avoir par Twitch, en fait, c'est que dans la validation de mes premières émoticônes, je me suis donc fait avoir comme un bleu. J'ai violé une règle de bonne conduite, ce qui a fait que j'ai écopé d'un blâme. Et en fait, c'est que vos émoticônes ne peuvent pas représenter une lettre ou un caractère seul. Il y a une exception, c'est pour ceux qui rapportent un max de fric et ceux qui sont dits partenaires, donc le truc bien au-dessus. Je vous rappelle que moi, je suis entre guillemets simple affilié, comme d'ailleurs la plupart d'entre vous, ceux qui m'étaient, qui me regardaient, on est à peu près au même niveau, je crois. Bref. Je vous avais dit que dans mes émoticônes, je voulais faire le panneau I. Pour information, comme un panneau de circulation routière, un cercle sur fond bleu. Sauf que ça viole la règle du. Vos émoticônes ne peuvent pas être un caractère, en fait. Alors que mon panneau danger, point d'exclamation, il passait, lui. C'est quand même un caractère, mais c'est pas une lettre. Alors ils ont toléré, ils l'ont validé. Bref, pas de bol. Du coup, je suis dans les radars de Twitch en surveillance. Et j'ai écopé d'un blâme. Je l'ai vu ça ce matin. Le blâme en fait, c'est que j'ai plus le droit de rajouter des trucs pendant 60 jours, 60-90 jours. C'est d'autant plus chier de leur part que normalement j'avais déverrouillé les émoticônes pour les, entre guillemets, simples fidèles, followers. Donc c'est bien, tu pouvais accéder à mon contenu sans mettre la main au portefeuille, ce que je le souhaite pour un maximum de monde. Mais du coup, ça m'est verrouillé. Il faut que j'attende que le blâme soit levé pour que je puisse activer cette fonctionnalité. Donc malheureusement, ça va arriver qu'au printemps prochain. Parce que le temps qu'il y ait 60 ou 90 jours qui passent, on sera au printemps. Voilà, c'est comme ça. Alors je vous lis, pardon, dans le chat. Oui, tu commences bien la journée, oui, bah bon café à toi, t'as raison, Zex de Citron. Café au lait, moi, comme d'hab. Alors, veuillez m'excuser si j'ai une voix un peu bizarre. Si je parle du nez, en fait. Non, je vais pas me battre à faire une réclamation. Vous êtes du citron. Tant pis, c'est juste que ceux qui sont en train de suivre ma chaîne sans être abonnés, ils n'ont pas accès tout de suite à mes émoticônes. Bon. Coûte pour 2-3 mois, voilà, je vais pas me battre contre vents et marées. En plus, je te cache pas, sans être dans le secret, je suis persuadé qu'ils sont toujours en gros stress chez Twitch depuis leur piratage de l'été dernier. Donc je vais pas trop les solliciter, je vais plutôt me tenir à carreau. Je veux pas subir leur foudre, c'est pas mon but. Là où je vais être plus souple, en fait, en compensation, en fait, vis-à-vis de vous, c'est que je voulais. Comment dire, les sons, en partie les réserver aux VIP pour certains, ou aux abonnés, histoire que ce soit pas trop le zouk sur ma chaîne. Mais comme on reste à une moyenne max de 10 spectateurs, je vais laisser encore la plupart de mes sons accessibles aux followers, j'aime pas le terme, aux fidèles. Voilà. Et je ferai seulement la bascule de presque réserver l'intégralité des sons aux abonnés. Une fois que j'aurai déverrouillé cette situation-là, je pense que c'est un juste équilibre pour que tout le monde puisse s'amuser et que ça reste que, enfin, correct dans le sens que ce soit pas le bazar. Voilà. Donc j'ai rajouté 2-3 petits sons. Il y a Mazette, il y a Zoubi, l'inverse de Bisou, enfin en verlan. Je sais même plus si je l'ai associé à mon émoticône cœur. Si c'est pas fait aujourd'hui, je le ferai demain, enfin dans les prochaines heures. Voilà. Dans les nouveautés de la chaîne, maintenant vous pouvez cotiser vos points de chaîne pour un prochain projet entre guillemets. Et je vais m'amuser à
comment dire, à vous solliciter, à déverrouiller un à un les accès à mes nouveaux chapeaux. Puisque je vous avais raconté, je joue juste après, hein, promis, qu'il y avait le magasin Diabolino à Nancy, qui est un magasin de farce et attrape et de déguisement. Là, c'est triste, avec la pandémie, ça fait 2 ans, il a quasiment plus de clientèle, le gars. Donc je suis allé le voir parce qu'il y avait un article dans le journal local comme quoi il allait fermer à la fin du mois. Je lui dis, en plus, c'est les soldes, à mon avis, il y a des affaires à faire. J'y suis allé cette semaine. Et donc voilà, le monsieur il m'a dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que il arrête son activité à ce niveau-là parce que plus personne fait la fête, son chiffre d'affaires est quasiment nul depuis des mois. Le truc très triste. Et bah du coup j'ai fait la mainmise sur une dizaine de chapeaux. Alors pas forcément ceux que vous vouliez, par exemple je m'adresse à Zex de Citron, il n'y avait plus de casquettes à bière, c'est dingue, je connaissais pas ça, mais les casquettes à bière sont parties en premier. Donc je suis arrivé trop tard et j'ai eu le reste de la sélection, mais j'ai pu mettre la main sur une dizaine de chapeaux, dont une perruque, je vous le dévoile, je vous l'avoue, une perruque blonde. Donc à un moment, je vais pouvoir ressembler à un blond. Je vais avoir très con, je sens qu'on va se marrer. C'est un coup à faire des séquences, des clips, des trucs comme ça. Donc dans les mois à venir, ça va être marrant. Alors, une petite pause et je vous lis. Non, alors je vois pas la réclamation. On voit pas le chat de retour sur ton direct. Oui, c'est vrai que le truc est resté noir. Pourquoi? Attendez. Merci de la remarque, hein. Pourquoi c'est resté noir? Parce que le truc est affiché. Mais c'est quand je bascule en. Il y a peut-être le dynamisme de la capture du chat qui est gelé quand je suis dans le jeu là, peut-être. C'est peut-être propre au jeu et je pourrais peut-être rien y faire. Ou alors je bascule en fenêtré. Je vais essayer, mais j'espère que je vais pas déglinguer le zouk. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas en fenêtré. Il aime pas. Je suis obligé de rester comme ça, désolé. Yop, Romanus, Caiutus, j'espère que tu vas bien. En ce qui nous concerne, on se retrouvera l'après-midi. Alors attendez, je vous lis. Oui, c'est ça, Olive. Ouais, bref. Pff, Twitch, quoi. Voilà, ils imposent leurs règles. Alors non, c'est revenu que le temps que je fasse l'expérience d'essayer de capturer le chat. Donc j'ai qu'un instantané du chat qui est à nouveau figé. Vos nouveaux messages, là, par exemple, revenu jusqu'à YouTube, il apparaît pas. Donc ça va rester figé bêtement comme ça. Je suis désolé. J'ai pas la parade pour ça. Oui, voilà, je vous lis brièvement du coin de l'œil. Oui, désolé, oubliez un peu le chat là parce que il est pas opérationnel. Donc, bref, vous avez un défi de la communauté là, comme ils appellent ça chez Twitch, que je vous ai activé ce matin même. Pour 10 000 points de chaîne cotisés, je suis prêt à vous dévoiler un de mes nouveaux chapeaux. Parce que là, maintenant, j'en ai quasiment une dizaine. Et voilà, tout, on va dire tous les 10 000 points de temps en temps. Je vous dévoilerai dans ma boutique l'accès au chapeau. Et je m'engage, quand vous avez atteint le palier des 10 000 et que je dois dévoiler le chapeau, la séance suivante, je m'engage à porter le dit chapeau pendant toute la séance pour vous le présenter. Donc ça, voilà, ce sera l'occasion de s'amuser dans les prochaines séances de jeu, quoi. Voilà. Vous savez que j'aime bien faire mon guignol. Et puis je préfère me présenter à vous coiffé, parce que à chaque fois voir mon crâne nu, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En plus, je les disgracieux à force d'avoir eu plein de gadins quand j'étais gosse. Combien de fois je me suis ouvert le crâne? Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc pas de casquette à bière. Je suis en train de me perdre dans le jeu alors que j'avais mon chemin. Je suis un abruti. Pas de casquette à bière et pas de sombrero. Il restait un sombrero, mais il était de mauvaise facture et il était de couleur mauve, mais crade. C'était pas un beau en noir bien découpé. Donc je me suis refusé à l'acquérir. Et voilà quoi. On va dire session après session, semaine après semaine.
Je vous dévoilerai un à un les chapeaux et on va se marrer, je vous le dis, on va se marrer. Je me suis trouvé des trucs que j'ai choisis en dehors de la liste que vous m'aviez cédée, en fait, de vos souhaits. À peu près la moitié de vos souhaits ont été exaucés. Je dirais pas lesquels. Mais. Et moi, je me suis fait plaisir avec des trucs que vous m'avez pas suggérés. Ça va être très drôle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, bref, le monsieur qui tenait la boutique adorable, qui m'a fait un prix pour l'ensemble, quoi. Il m'a fait un prix soldé. Donc, tout bénef, tranquille. Voilà. Alors revenons au jeu. Je vois, vous avez vite adhéré au défi. Nouveau chapeau. Merci. Bah, ça me permet moi de vous faire dépenser un peu vos points fidélité de chaîne. Puis voilà, je vous relancerai là-dessus régulièrement. Bah, avec une dizaine de chapeaux, je vais pouvoir, je pense, vous tenir en haleine toute la saison, là, toute l'année 2022. C'est rigolo. Ah oui! Grande nouvelle importante. Ça s'adresse aussi bien aux abonnés qu'aux ceux qui suivent la chaîne. Ça y est, j'ai fini de m'ouvrir un compte chez Mega en tant que le sage de Nancy. Et vous avez accès à la compilation des meilleurs moments de la saison 0, c'est-à-dire ma phase bêta de l'été dernier jusqu'au 31 décembre. Donc c'est une compilation de clips qui dure presque 1 heure. Vous êtes en droit de la télécharger. Alors c'est gratos, je l'offre évidemment pour les abonnés. Je me sens redevable quand même de vous donner une compensation quand vous mettez la main au portefeuille pour cotiser à la chaîne et je vous en remercie. Bien que vous le savez, je ne vous... comment dire... Je vous encourage pas à le faire, je veux pas que vous perdez vos sous-sous. Mais bon, pour ceux qui franchissent le cap, j'essaye de vous donner des bonus, quoi, un peu de compensation pour les deniers que vous versez à la chaîne. Donc, vous allez dans boutique, vous faites point d'exclamation boutique. Si vous êtes abonné, vous y avez accès sans aucun point de chaîne. Directement, vous pouvez télécharger, vous aurez normalement un message privé qui vous enverra le lien. Et pour ceux qui sont qui suivent la ouais, c'est que c'est ton trou à la casserie de ta bière. Pour ceux qui suivent la chaîne, tout simplement, à partir d'un certain nombre de points, je sais plus lesquels, je vais peut-être rééquilibrer les points prochainement parce que je pense que j'ai mis des tarifs un peu trop élevés. Vous pouvez télécharger la vidéo en fait, dans les mêmes conditions au final. Vous aurez un message privé qui vous enverra le lien de téléchargement sur Mega. Si je dis pas de bêtises, ma vidéo d'une heure, elle pèse 2 gigas. Voilà. Bon, je trouve ça normal en fait que voilà, d'une manière ou d'une autre, je vous dois bien ça quand on passe des bons moments ensemble. Moi, c'est pas trop compliqué de faire le montage. Voilà, c'est des trucs qui méritent d'être immortalisés. Moi, je vous cache pas que la première compile, la zéro, enfin la saison 0, j'ai dû la regarder 15 fois parce que, à force de faire des corrections de. Je suis pas au bon endroit, mince. À force de faire des corrections de vidéos, de rajouter par petits bouts semaine après semaine, bon, je l'ai revisionné une seule fois, ça m'a permis de corriger des problèmes de son, de. Transition, etc. Et je me lasse pas en fait d'avoir vu 15 fois mes amis. C'est il y a vraiment des bons moments qu'on passe ensemble, quoi. Bon, évidemment, je me fends pas à la poire comme au premier visionnage, mais ça me laisse toujours largement sourire. Il y a des bons trucs. Évidemment, je vous cache pas que j'ai déjà commencé à monter la compilation de cette saison-ci là. C'est comme j'ai fait un paquet d'heures dès ma première semaine. Wally. Alors, revenons donc au jeu. Alors, quand j'ai joué hors antenne pour me débloquer, j'étais bloqué dans le jeu. Soupir de la bêtise du joueur débutant. En fait, dans cette baraque, souvenez-vous, évidemment, principe du jeu, on y a fait un carnage. Mais, il faut peut-être que je change de flingue, moi, dans le jeu. Je vais prendre quoi? Peut-être le fusil à pépon. J'ai négligé de ramasser un objet dans une pièce qui est en fait une clé, mais qui prend pas la forme d'une clé, on va le voir ensemble, qui me permet de déverrouiller la suite de l'aventure. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc faut aller à l'étage.
plus la musique j'adore. C'est quelque part par là, je crois. Il y a dans un couloir, il y a un réceptacle, un présentoir. Et un hébergement. Ça fait plaisir. Merci Laï. Merci Laï. Merci Laï. Il y a quelqu'un qui m'héberge, je sais pas qui c'est, mais c'est gentil. Ah, Olive, merci, bisous, merci Olive. Gentil tout plein. Ah, cette musique de feu. Bah, elle est où la pièce? Je sais plus où est la pièce. Il y a une pièce à l'étage. Il y a le... Il y a la clé d'accès à l'autre bout de l'île. Je vous rappelle, ah oui, pour ceux qui n'ont pas suivi mes aventures, on est sur une île mystérieuse où il y a des spécialistes en égyptologie qui ont fait, qui sont en train de faire une soirée à la clé. Voilà, il y a même un ennemi que j'avais pas zigouillé. J'avais omis d'aller dans cette pièce et en fait le parchemin est une clé. Voilà, pa. Et si on regarde l'inventaire, voilà, j'ai une clé qui est apparue en haut à droite. Bref, et en fait, cette clé, on pourrait presque chanter du... Ah, j'ai oublié son nom, la cabane au fond du jardin, mais là, c'est la porte au fond du jardin. Alors là, il faut que j'en trouve la sortie. Attendez, je retrouve la sortie et je complète mon propos. Room. Ah, escalier pour aller en bas. La musique va s'arrêter quand je vais sortir de la baraque. Voilà. Donc il faut que je retourne près de la grande bâtisse. Et il y aura une porte sur laquelle. Ah, pardon. À laquelle j'avais chu devant parce qu'elle était verrouillée, j'arrivais pas à déverrouiller. Bah c'est parce que j'avais pas cette clé qui est cette espèce de parchemin. Donc c'est bien, on va pouvoir continuer l'aventure et je vais découvrir avec vous. Donc on est sur une île mystérieuse où il y a une fête dans un grand manoir, une grande bâtisse. On va encore repasser devant. Où il y a des spécialistes en égyptologie, des archéologues, des aristocrates, des bourges, des tout ce que vous voulez, bref. Les grandes ce monde qui sont en train de se faire façon anglaise a tea time, c'est-à-dire on va dire un goûter entre bourges. Et le problème, c'est que moi, en tant qu'enquêteur ayant pris les armes sur cette île, parce que vous avez vu, il y a plein d'ennemis hostiles, je suis missionné pour retrouver en fait un spécialiste en égyptologie qui est porté disparu. Donc, j'ai fait mon carnage, on voit même les clébats, leur bicéphalo à deux têtes là, que j'ai zigouillé au fusil à pompe. Je retrouve plus mon chemin. Merde. Non, ça c'est le chenil. Faut pas que je suis en bonne voie, mais c'est faut que je continue tout droit. Bref, voilà, il faut que je trouve mon chemin. Quand je me présente, d'ailleurs, voilà la grande demeure. Quand je me présente à la porte, vous allez voir que je me prends à chaque fois un vent. En gros, il y a le majordome qui me dit « Non, tu rentres pas, mon gars, t'as pas le carton d'invitation, t'es pas invité à la fête. » Attendez, je vais leur provoquer. Bonjour SDR, j'espère que tu vas bien. Welcome to the Conway Estate. Oh merde, il m'a dit bienvenue. Généralement, il, jusqu'à maintenant, il me disait « Allez vous faire voir. » Et là, il m'invite à rentrer. Alors ça, c'est nouveau. C'était pas prévu. Suite. Voilà, je vais appuyer dessus. Allez, bonne. Bah, on va découvrir ensemble l'intérieur de la bâtisse. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais déferrouiller... ouais, ça va, c'est cool. Je regarde sur la tablette le retour du chat. Vous inquiétez pas, le chat est figé, c'est à cause du jeu, je peux pas capturer en dynamique le chat. Vous voyez la porte là? J'avais essayé de l'ouvrir. Et en fait, maintenant je peux. Voilà. Donc il y a une suite là aussi. Alors du coup, je vous laisse le choix.
on fait la suite dans les jardins, l'autre côté des jardins de l'île là. Ou pardon, ou je rentre directement dans la demeure, tiens. Qu'est-ce que vous préférez? On fera les deux, mais il y a peut-être un ordre que vous préférez. Je vous lis dans le chat en même temps. Oui, la musique est un peu trop forte. Ouais, c'est-à-dire que je vais entre guillemets me taire quand il y aura de la zik, parce que la zik, elle est bonne. Pour parler de la musique du jeu, en fait, je me suis amusé à regarder dans les fichiers du jeu, à trouver le répertoire où il y a les musiques qui sont en clair, en fait, elles sont pas cryptées en MP3, et j'ai injecté ça dans mon baladeur. Et encore hier, le temps de revenir de la ville, je m'écoutais l'album. Il y a une vingtaine de pistes, et c'est du bon, hein, punaise. Pour une bouchée de pain, le jeu, il m'a coûté quoi? Il m'a coûté 3-4 euros quand je l'ai acheté là durant les fêtes de fin d'année. Et bah, pour le prix, vous avez un album. Alors, c'est de la musique, comment dire, pas de la musique classique, mais jazzy. Ouais, c'est plutôt du jazz. Et sympa. Et je suis fan du générique. Là, l'air de piano au générique, je l'adore. On commence par les jardins. Ok, on va faire des jardins. Oui, content que ce soit le week-end, oui, bah oui. Pour le repos, tu m'étonnes. Ah. Oh. Alors, je découvre totalement, hein. Je connais pas. Oh! Il y a des bestioles volantes. J'ai vu un truc bouger là-bas. Ah! Pas par où commencer. Waouh, j'aime bien le oh. Je viens de ces jours, il va nous faire un façon motus. Attendez, je vous lis. Ah, Jumanji, le jeu. Ah mince, la tablette qui s'est mise en veille. Tac, 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 tac. Ah! Oui, il faut pas qu'il me lâche la connexion au chat, sinon je vais pas pouvoir vous lire. Mais c'est vrai que ça y ressemble. Bon, bref, un samedi matin tranquillou. Alors, ce week-end, je profite de la famille, donc je diffuserai pas ni cet après-midi ni demain. Par contre, je vais m'arranger, c'est pas encore du sûr-sûr, je vous tiendrai au courant des dimanches soirs. Je ferai en sorte de diffuser lundi après-midi. Je vais. Je vais m'organiser pour être tranquille, peinard pépouze, lundi après-midi. Ça me permet de, comment dire, vis-à-vis de vous, pouvoir diffuser, on va dire, mon quota horaire habituel. Pour le moment, je peux encore, entre guillemets, m'arranger. D'ailleurs, ça me fait penser, point de vue pro, il faut pas que j'oublie d'appeler le patron cet après-midi. Que je joue en facile, hein. Je descends rarement en dessous des 80% de vie.
Alors, je vous lis. Oui, ça t'arrange, toi, le lundi après, MSDR, ouais, c'est bien. Bah, d'ailleurs, oh, bien, oh, cool, Zex de citron. Menuiserie et sculpture de pierre. Bien, oui, t'es un vrai artiste. Lundi après-midi, il est probable que je continue. Bah, SDR va être content. Resident Evil Zero, je me suis débloqué aussi dans ce jeu-là. Autant je viens de me débloquer dans celui-là. Ouais, Resident Evil Zero, j'ai compris où était mon erreur. Je vous expliquerai comment je l'ai. Et si j'avais pas été observateur, en fait, j'aurais pu tourner en rond et rester bloqué pendant un bon bout de temps. On verra le moment, on verra ça lundi après. Voilà, voilà. Ouais, c'est bien, ça t'arrange. Bon, bah, c'est cool. Eh bah, c'est bien. Je suis ravi pour toi, SDR. C'est cool. Oula, c'est du relief, ça grimpe et c'est de plus en plus rocheux. Ah, il y a un point d'eau. Faut pas que j'y aille parce que mon perso ne sait pas nager. Souvenez-vous, ma première minute de jeu, je suis sorti du bateau, je suis allé sur le pied, je suis allé au bout. Alors, je suis en train de me faire allumer, mais je vois pas par qui. Ok. Mais ouais, hein, la musique, les 20 pistes de zik du jeu, vraiment de la qualité. Hein. Ah, il y en a des baraques sur cette île, c'est trop bizarre. Il y a le manoir, il y a le chenil, il y a les grottes aussi. Attends, faut que je saute. Si j'y arrive. Mon personnage ne sait plus enjamber, c'est pas grave. Je suis plus à sa près. Ah, j'ai pas de munitions. Ça se rire de sa vie. Faut pas que je m'avance trop. Parce que c'est la côte. Faut surtout pas que je tombe dans la falaise. Ah! Je suis sûr qu'il y a un truc au bout. Il y a un truc caché. On ira à l'intérieur de la demeure après. Hein. Je fais d'abord. Oh! Quand je. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Il y a tellement de mystères sur cette île. Faut pas que j'oublie de sauvegarder. N'hésitez pas à me le rappeler aussi hein, de temps à autre. Vous avez la commande pour le plus SV pour me dire de sauvegarder. Je serai capable de me laisser happer par le jeu et de complètement oublier. Et si je meurs comme un caca de manière très bête, je mets M, je mets n'importe quoi. Mm. J'aimerais bien m'y remettre un jour à la menuiserie, dit Olive. Ouais, grande question. Ah, tu fabriquais des meubles en bois de palette. Non mais c'est pas con. C'est pas con du tout de faire des choses en bois de palette. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Waouh. Alors, je me sers même de l'écho secondaire qui a un meilleur éclairage, un meilleur contraste que le principal. C'est tellement sombre dans le jeu que j'y vois plus rien. Bon, c'est bien. Les munitions de fusil à pépon, je suis au taquet. Ah, ils aiment les labyrinthes dans le jeu là. Punaise. Oh, les dédales. Mais veuillez m'excuser hein, si je parle bizarrement, je suis pris du. Cette saison, et à mon avis, je vais pas tarder à me moucher. On y voit rien. Oh! C'est un truc en profondeur. Qu'est-ce que c'est que cette cavité? Alors attends, je vais sauvegarder parce que j'ai peur de tomber dans un truc en point de non-retour. Mais on y voit que chi quoi, c'est hyper sombre.
Je suis amusé, du coup je récup aussi mon point de vue, il y a rien de nul. Moi qui suis très maladroit, je suis admiratif. Oups! Attends, faut que j'évite d'aller dans l'eau parce que. Parce que normalement mon perso ne sait pas nager. Wouah, c'est l'île ultra mystérieuse. Alors attends, j'ai essayé d'évoluer intelligemment. Oh, qui c'est qui m'a dit? Encore une autre? Vache. Eh mais il y en a 650 là. Oh. Trop bizarre. Trop bizarre. Ouais, le coup de liqueur en palette de bois qui va devenir tendance, ouais. Enfin, en bois de palette. Oui, oula, Zex. Ouais, gare. Ouais, les accidents de menuiserie. Faut vraiment être prudent et avoir tout l'équipage. L'équipement de sécurité. Oui, tout est normal sur cette île. C'est n'importe quoi. Ah, petit escalier de la mort qui tue. Mais je l'aime beaucoup, hein, ce jeu. Il y a vraiment une atmosphère, j'adore. Voilà. Je suis dans la mouise. Est-ce qu'il y a du peuple? Attends, j'arrive même. À cause de la végétation, j'arrive même plus à passer. Cool, il va me donner des cartouches. Oh là là. C'est que cette île. Ouais, génial, cocktail Molotov. Wouh! C'est quoi ce truc? Oh mon dieu! C'est une réserve d'armes. Et rien que ça, je peux les balancer sur l'île et les faire coffrer. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors, je vous lis. Te couper deux doigts et te sectionner une jambe, waouh. Mais tuer, de nouveaux mots pour désigner les métiers à risque. Ah mon dieu. Aïe aïe aïe. Bon, bah dès qu'il y a un nouvel ennemi, je vais expérimenter cette étrange arme. Eh ben, c'est un sacré dédale, il y a de quoi te perdre. Il y a de quoi se perdre. Oh.
Ah, nouvelle zone. Il y a eu un petit tressaut. Qu'est-ce que c'est que cette installation? Mais il y a plein de bâtiments en fait. J'entends des bruits très bizarres. Waouh, il y a des vitraux. Oh merde, c'est quoi ça? Ah, c'est un lance-flamme. Je vais mettre le feu à la forêt. La 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 la. Mais c'est quoi ces horreurs? Ouais. Je suis un pyromane. Non, esprit démon, je vais mourir. Oh là là. Tagada, tagada. Nage en plein délire, hein. Mais pourquoi pas. Oh, 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 oh. Ok. Bonjour la sépulture. Enfin les sépultures. Ok. Donc ce serait une église. Qu'est-ce qu'une église vient faire sur cette île? Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Wow. Wow, 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 wow. Ah! Oui, les scarabées, c'est très égyptien, oui. Il suffit de lire les hiéroglyphes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh mince, pardon, j'en perds mon chapeau. Je vais me gratouiller instinctivement, je l'ai fait tomber. Oh. J'allais dire, s'ils sont résistants aux balles, je suis dans la prise. Ok, tout va bien. Waouh. J'avance tout doucement parce que je veux pas me faire défourailler. Hein. Même si je joue en facile, j'aimerais continuellement progresser. Si je vais pouvoir le... Waouh, il y a des trucs en hauteur. Wow. Ouh, pardon, je relis un peu. Ouais, on va appeler ça un sèche-cheveux, ouais. Oui, c'est sûr, c'est les cheveux, oui, de manière définitive, ça les assèche, oui, c'est sûr. Ouais, tu crames complètement l'île, toi, Zex de Citron. Cet arc, ce parc est mal famé, impossible de reposer sans être dérangé. Je mets qu'une toile à TripAdvisor. Coucou Twinsen, bonjour. C'est dingue, j'écris n'importe comment aujourd'hui, mais c'est pas grave ça. Il y a de la verdure, par contre impossible de rester au calme, il y a des abeilles géantes, c'est ça. Et on parle pas des scarabées et des autres étrangetés. Ah ouais, non, trop bizarre l'ambiance. Bon, je vais essayer de faire le nettoyage dans la dans les sépultures là. Il y avait un peuple de fous. Oh, my God.
peut-être des trucs à faire dans le cimetière. Je regarde en fait honteusement le nom des tombes, qui doivent être d'ailleurs, je pense, en partie le nom des développeurs. Non, je suis encore tombé dans un point. Alors, on va bien faire le tour du cimetière avant d'aller dans l'édifice principal. Ah, d'accord, c'est de la flotte. Ah ouais. Le cimetière est au bord de la falaise sur l'île. Waouh. Ah, il y a quelque chose. M'accorder une petite pause en fait, il faut que je gère l'air dans mon logement et j'ai un peu trop d'air vicié, ça sent pas très bon. Alors attendez, j'oublie. Je sais même pas, j'ai pas regardé le coup du tableau mystère. On le fera tout à l'heure entre midi et 13h. J'endrai l'antenne, je pense, plus vers 13h que midi, enfin on verra. Sauf si je me sens vraiment pas bien, mais là je me sens correct. Oui, le coup de l'orthographe. Merde, il est chiant l'autre. Merci. Je récupère, je fais plein d'énergie, c'est très bien. Alors. Je vais m'ouvrir une porte, je reviens 30 secondes, histoire de faire circuler l'air chez moi. Ah, ah bah là, j'arrive. Ouais, ce sera mieux. Ça sent pas la honte, mais je sens du renfermé, c'est pas cool. Alors, je vais peut-être sauvegarder aussi. Église. Oui, j'ai vachement bien écrit église, c'est pas grave. Capitaliste Berga sur le chapeau du sage. non, c'est quoi? Ah, là aussi, c'est une porte à symbole. Il me faut un truc bleu, apparemment. D'accord, alors que l'autre, il me faut un truc vert. Je présume que si j'essaye d'y accéder par la porte latérale, j'aurai le même tarif. Il va me dire c'est verrouillé. Eh oui. Il me faudrait une espèce de clé bleue. Pardon. Bah, quelque chose me dit que dans l'heure qui suit, on va se retrouver dans la demeure principale, dans la fête, quoi. Et il faudra peut-être que j'interroge les convives. Alors ça, pour avoir des questions, j'en ai un paquet. C'est quoi ce bordel sur cette île? Ouais, on sait.
Ça, c'est la grosse planque. Faut les prendre, c'est un bonus, alors que les rouges sont des malus. Tu perds de la vie quand tu vas dessus. Attendez, j'oublie un peu. Ouais, la coiffe blonde, c'était un exemple. Je crois pas que c'est la coiffe blonde que vous déverrouillez en premier. Honnêtement, je sais plus quel est l'ordre des nouveaux. Mais peut-être pour une occasion, je la mettrai moi-même avant qu'elle soit déverrouillée en soi, quoi. Mais ça fera durer le plaisir, je vous le dis, durant toute la nouvelle saison, là, durant tout 2022. Quelque chose me dit que la suite est dans la demeure. La petite demeure. Welcome to the Conway Estate. Yeah. Bon, le majordome qui m'autorise à faire la visite. Et puis, si je suis bloqué dans la demeure, on retournera dans l'autre partie de la partie extérieure. Au moins, ça permet de faire varier les plaisirs. Oh, le luxe, toi! If you like to smoke, we must insist that you use the lounge in the west wing. But whatever you do, don't go traipsing around downstairs with a lit cigarette, or Mr. DeVries will have hysterics. Quoi? Il m'a dit que pour cloper, je peux aller dans l'aile ouest, mais que j'ai pas le droit de prendre les escaliers. Oui, le Chapelier Fou de Nancy, oui. Il y en a un bon en particulier de Chapelier à Nancy. Mais Chapelier, hein, pas pour faire l'idiot. Non, pas avec un hangar rempli de chapeaux, mais j'arrive. Alors, c'est bien, j'arrive à empiler les chapeaux pour les ranger. Et ça tient dans un carton, un gros carton, mais ça tient dans un carton. Your suite is upstairs in the west wing. I'll have the maid make up your room. Ok, le mec essaye de me guider. D'accord. Oh là là. Je peux aller là, sous vert. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? C'est encore le majordome? Should you require a meal, the dining room is located in the east wing. However, okay. I wouldn't recommend a tour of the kitchen. The chefs there are quite temperamental. Ah oui. Avant d'aller dans la salle à manger dans l'aile est, il m'invite à faire un tour en cuisine. Ok. Mais ça me fait bizarre de braquer un majordome. Ah oui, tout va bien ici. Ok. Cool. C'est complètement what the fuck. J'ai la bonne arme ou pas? Wow! On m'a trouvé! Tu vas pas me dire que c'était un copain. Je vais peut-être rester au fusil à peu près. Et puis ta bonne arme. Wow! Ces horreurs. C'est tout.
Tout est chelou ici. Dans les couloirs. Oh mon Dieu. Ah, puis la musique. Oh, le mec, il est sous amphétamine au saxo. C'est une musique de fou. Mademoiselle, pardon, j'ai failli vous allumer, mademoiselle. Attendez, il y a du monde. Ah, ah. Elle disait quoi, la puce? J'ai compris que la fin de son truc n'est jamais quoi, jouer avec quoi. Mais il y a tellement de bruit de monstres que je peux même pas entendre la puce. Oh, je suis dans la brise. J'aurais pas dû m'avancer. Ah, les flammes de l'enfer. Toi-même. Qui rira bien, qui rira le dernier. Voilà. C'est vrai en plus. Je sauvegarde, c'est n'importe quoi ce jeu. Tiens, je vais appeler Nimp. La sauvegarde, bien fait. Je vous lis un peu. Et puis c'est bien, ça se calme. Ça fait du bien qu'il n'y ait plus de son. Ça me rappelle la vieille série Palace. J'adore Palace. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je suis l'heureux possesseur du coffret DVD de Palace. J'adore cette série aussi. Il n'y a eu que 6 grosses soirées, je crois. Mais une tuerie. Ouais. Les preuves de comptoir, elles sont bonnes. Ouais. Ah, never play with a naughty clown. J'ai même pas entendu. Tu vois, t'es meilleur que moi, Zex. Merci. Je me disais bien que ça ressemblait moins à une momie qu'à un clown. Ouais. Mais c'est trop... C'est psychédélique, hein. C'est sympa, l'ambiance. Mais sur le thème de l'Égypte. Mais waouh. Attendez, je vais peut-être déjà bien m'asseoir parce que je suis mal assis. C'est quoi ces bruits de... On dirait qu'il y a des lions en cage. Waouh, on se calme, les lions en cage. Je vais peut-être changer de flingue. Il est bien, le lance-flamme, mais... Oula. Ah, j'ai plus de... Oui, pourquoi pas, j'aime bien ce flingue. Le pistolet mitrailleur de Chicago, là. Pardon. C'est une porte, ça? Ah, c'était une porte. Oh mon Dieu! Waouh! Trop de mystère. Et puis... Il me fait peur, le... Il y a un tigrou quelque part, ou un équivalent. Vache, ils sont coriaces. Ils sont coriaces. Oh.
Ça va pas au-delà? Étrange disposition des lieux. Il y en a des choses à visiter. Ça occupe. Putain, cette baraque de fou. C'est une baraque de maboule. Ah, vu la superficie, bonjour le loyer. Quoi, Albi? Ah, bah c'est la petite fille. Oui, c'est ça, ouais. Bien vu, bien entendu. Les exercices. Ça y est. Il y a le piano, le pianiste Inman et le saxophoniste sous amphétamine qui sont de retour. Musique de fou. Wow. Wouh, trop bizarre. Ouais, c'est quoi ça? Je pense pas que ce soit un ami. Ah! Ok, très original. J'ai des émanations de gaz qui m'attaquent. Ok, tout va bien. Je vous lis un peu. Ah ouais. Oh, qui c'est qui sonne? Je suis occupé, les gens. C'est pas cool. Ou alors je me fais une petite pause, mais je reviens très vite hein, pour voir ce que c'est. Qui c'est qui sont de chez moi? Attendez, excusez-moi, je vais quand même aller voir ce que c'est. A tout de suite. Hop là, il faut que je regarde ça. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. D'ailleurs, j'arrive, attendez. Hop, je vais peut-être faire comme ça, ce sera mieux. Alors, c'était important. C'était important puisque c'était un... Vous savez les courriers officiels, comment on appelle ça avec accusé de réception? C'était
Mince. Une lettre recommandée. Voilà, cherchez le nom. Tac, 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 tac. Et en fait, voilà, c'est des histoires malheureuses d'assurance. Après un sinistre suite à la tempête qu'il y avait eu en octobre dernier. Voilà, quoi, les joies de l'administration. Donc, j'ai bien fait d'ouvrir au pauvre postier, qui était adorable, et qui m'a fait signer le recommandé. Alors, je vais mettre un peu de lumière dans la tronche, que vous puissiez bien me voir. Et on prend la suite de l'aventure. Pardon de l'interruption. Tac, 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 tac. Alors. Voilà. Wouh! Voilà, allez, on prend le rythme. Faut que je vous lise aussi. Quoi, les émanations de gaz? La fumée des consoles de FunFan à force de trop jouer la nuit, ouais. Livraison de coiffe indienne. Non, c'était pas FunFan qui venait. Non, non, c'est vraiment à recommander, là, pour mes histoires d'assurance. J'ai fait jouer mon assurance par rapport à des dégâts à cause de la tempête d'octobre dernier qu'il y a eu sur Nancy. Et malheureusement, moi, j'ai eu des dégâts. Wally, Wallyou. Bon, suite de l'aventure. Mince, je me trompe de touche. Alors là, c'est le symbole jaune. Ouh. Et apparemment, j'ai la clé mauve. On voit dans l'interface. La déco est sympa, c'est beau. Hallucinant. C'est nimble ce jeu. Non, puis on parle de... Tu sais, tu parles de FunFan, mais à mon avis, à cette heure-ci, il dort encore. Sacré dédale. C'est beau. Magnifique. Miss Conway is fond of entertainment, so the house never sleeps. At any one time, you'll find someone in the ballroom. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit là. Magnifique. Moi, j'adore les décors. Je sais pas si c'est votre cas. Tessa's magic symbol. A mathematician would call it magical. You see, each row, column, and diagonal adds up to 15. Byron, you can be such a bore sometimes. J'ai envie de dire une salle, une ambiance.
Wow. Attends. Ah non, c'est moi qui me suis baissé. Quel abruti. Je me disais, il se passait un truc. Bizarre. Oula, il y a une énigme. You look ravishing, Tess, as always. One would never guess how old you really are. Why, thank you, Lydia. And you've managed to hide all trace of your late night carousing. I was out late, wasn't I? With the rest of the youth. Oh, listening to Duncan's stories, drinking from his starry eye. That's not all you were drinking from. But I suppose you can't help it. You have inherited your father's penchant for alcohol. Please, leave Daddy out of it. I'm sorry. Poor darling. It was a tragic death. Did they ever manage to find the body? No. The current must have swept it away when his car went over the bridge. Why are you laughing? I just can't believe that he actually managed to wipe out an entire crew of racers as they rode down the Charles River. It must have been quite a sight. Dad never liked to drink alone. And your mother's reaction? Not a tear. She just up and joined the Women's Christian Temperance Union. Duncan wouldn't be in business if it weren't for them. Yes, well, he'd better hope she doesn't show up here with her prohibitionists. Just have to lock them up in the wine cellar. Ooh. Oui, musique. Parce que c'est nimp. Là, il y a les deux. Elles sont en train de picoler. Ok, navré pour la mort de ton mari. Est-ce qu'on a retrouvé le corps? Non. Tout va bien. C'est n'importe quoi. Ouais, son lit Brigitte, ouais, on va dire ça. Bah, est-ce que ça aide à progresser? Pour l'enquête, en partie, oui. Je suis censé retrouver un égyptologue qui a disparu. C'est peut-être le dit mari, là, en question. Et ça, c'est une énigme, c'est obligé. Oh, pardon. Oui, non, doucement, 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 doucement. Oh là, c'est un délire, ce truc. Et ça, je peux l'ouvrir ou pas? Je peux l'ouvrir. Oh la vache. Ah, ça c'est plus sympa. Oh là 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 là, cette maison de fou. Bon, j'y reviendrai plus tard là. Cette pièce est magnifique. J'étais pas allé par là-bas, je crois. J'avais commencé à déployer et plus rien. Non, y'a rien d'autre. Ça ouvre le passage, c'est ça. Je commence à me perdre. C'est énorme. Oh. Attends. Ah, y a... oh là là, il y a un étage supérieur. C'est beau. Ah, j'adore. C'est quoi ça? This is as far as we could drag it, sir. It wouldn't fit through any of the upstairs doors. But Byron said it would fit. It's only 3 feet wide. I believe he said 3 cubits wide, sir. A cubit is roughly the length of your forearm. Fine. Then we'll open it right here. Very well. I'll summon Miss Conway. Oh, that won't be necessary, Robert. I want to surprise her. She specifically wanted to be present when the crate was opened. I thought I made myself clear. You're not the master of this house. Yet. But that'll change. Ok. On va dire qu'il y a des petits points de friction entre les invités, les occupants de la maison et le majordome. Et apparemment, il y aurait quelque chose de tabou à l'étage supérieur. Confrère en dernier. Voilà. Alors, le Hanks, c'est une arme apparemment destructrice
Je me demande, c'est l'arme la plus puissante, je crois, que j'ai trouvée. Je me demande si c'est pas pour défourailler du boss, ou si c'est pour, je l'ai pas encore testé, pour éliminer tous les ennemis à l'écran. Voilà. Ouh ! Oh, bah y en a des choses. Ça papote. Miss Conway, I'm quite concerned about you. Why is that, Robert? Since your parents passed on, you've been taking up with a dark crowd. Though the parties and the merriment are only natural for a young lady, but your fascination with time and ancient things are quite irregular. And now that you're... Poor dear Robert. You miss our old life, don't you? It's not just that. Tess, dear child, why do you associate with this DeVries character? He's not of your ilk. Duncan is my friend, Robert. He gets me things. It's exactly those things that worry me. He's building an arsenal in the storeroom. Please, Robert, I'm tired. And there are gangsters in the garden. Well, hand them some pruning shears. The hedge is atrocious. Ok, oh là 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 là. J'ai l'impression que le pauvre majordome, il s'est mis à dos tout le monde. Ah, c'est le même symbole que dans la grotte. Intéressant. Est-ce qu'il y aurait un lien de passage entre la grande demeure et la grotte? Ça me semble crédible. Wow. Mais pour le moment, je n'ai que la clé mauve. Cette demeure de fou, là aussi il y a des escaliers. Bon, on ose aller à l'étage. Attendez, je vous lis. Oui, c'est pas de VO4K. Oui, bah c'est la nostalgie de l'époque. Ah, ça va pas loin ici en haut. Ah ah, c'est un balcon de pièces. Mais j'aime bien l'ambiance. Hein. Les décors sont beaux. Attends, je suis allé sur le côté ou pas? Bah oui. Et là, je l'ai faite. Non, c'est verrouillé. Là, j'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Oh là là. C'est verrouillé à coup sûr. Eh ouais. Les bleus, apparemment. Wow, deux portes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? The most remarkable thing about it is that it doesn't look like a clock at all. It's almost feminine in form. Its wide middle echoing a woman's hips, and the two handles reaching up, suggesting arms reaching to heaven. And the figurehead is clearly Thoth. This has to be it. I'm certain of it. Damn things, they're impossible to kill. That was an exceptionally large Blatter orientalis, very thick carapace. I try roasting it on the end of a cigarette. Ok. Bon, s'il s'amuse à tuer des cafards avec des clubs, tout va bien. Wouh. Wow. Wow. C'est quoi ce délire? Je sais plus ce que je vois. Je vais peut-être sauvegarder là, je flippe un peu. Ok. Alors, on a des soubrettes ailées façon démon. Je pense pas qu'elle soit gentille. Oula. Wow. Ah ouais. Ok. Tout va bien. C'est archi nain.
Bien. Tu me diras, vu la surface, il faut beaucoup de gouvernants pour faire le ménage et les services. Mais quand même. Ah ouais, non mais c'est hallucinant. Ouais, mamie baba, ouais, ou des succubes, je sais pas. J'ai pas compris. Je flippe un peu là. Très original. Ah. Ah. Ouais. C'est ça, les bonnes. Bon, le terme est très péjoratif, mais bon, elles sont tellement bizarres. Je sais même plus si j'ai vu ça. On va regarder. Spend eternity with her. La demeure fait 15 km de long. Allez, courez dans les couloirs, les excités. Enfin, fusil à pompe, faut attendre qu'elle soit près de moi. Pour que ce soit efficace. Allez, viens, ma grande. Boyou. Thank you.
avance tout doux. Mince, attendez, pardon. J'ai fait une bêtise. Ah, je veux plus de chat. Merdoum. Mais je veux voir le chat, moi. Ah, voilà. Je viens d'être là, je sais plus. Oui. Oh, il y a un interrupteur. J'ai ouvert un truc, je sais pas. Oh là là. C'est le boxon. Change de zik, non. Donc si j'ai bien compris, j'ai fait le tour du truc, non. Oh non. Wouah. Ouh. Par là, je peux y aller. Non, c'est la clé jaune. Oh là là. À mon avis, mais c'est bien, je vais faire beaucoup d'épisodes sur ce jeu. Et vraiment le dédale après de trouver les couleurs des portes. Ouais, bah oui. C'est ça l'interrupteur. C'est un petit raccourci. Un petit raccourci parmi tant d'autres. Oh là là, c'est pas ça. Gaffe à ma vie, moi. D'ailleurs, je vais sauvegarder parce que je voudrais pas me recoltiner tout ce bestiaire de fou furieux si je devais mourir. Ouh! Pardon. Je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait.
Mais c'est bizarre que j'ai pas de gain par rapport à tout ce que j'ai exploré là, des petites pièces. Alors d'accord, j'ai des révélations sur l'enquête par rapport aux propos de certains, mais j'ai pas de clé par exemple. Ou alors la dernière fois, pardon, comme la dernière fois, je vais passer 10 fois devant. Je vais pas voir la clé qui se présente à moi. Et je vais perdre un temps fou, quoi. Ouais, bon, bizarre. Ouh! Oh non! Attendez, je vais vous lire dans le chat. Bon, le bouton, je l'ai fait. Là, y a rien. Bonjour, Oscar Capac! J'espère que tu vas bien. Oui, c'est particulier ce dédale, les exocitrons. Pour s'y retrouver, c'est pas évident, mais moi-même je reconnais que j'ai le cerveau qui surchauffe. Mais le jeu est vraiment bizarre. J'aime bien l'ambiance, mais bizarre. Oula! Ah, faut que je sois proche pour avoir l'efficacité du pépon. Je viens d'ouvrir un truc, on progresse. Non, là j'ai rien. Ouais. J'entends une bestiole, mais je la vois pas. Interrupteur. Allons bon. Oh, sympa. Encore un interrupteur. Je vais sauvegarder, c'est le boxon. Ce jeu rend fou. Alors, la musique est saoulante. Voilà, il n'y a plus de musique. Tac, 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 tac. Et c'est vrai, franchement, entre le pianiste et le saxophoniste, là, on dirait qu'ils sont tous drogués. En train de s'exciter à jouer de la musique comme des fous furieux. Mais je vous dis, hein, j'ai écouté l'album hier. Comme les 20 musiques sont formées MP3 dans le répertoire du jeu, et la musique est de qualité, hein, bien. Oui, c'est plus reposant. Je reconnais que avoir coupé la zik. C'est plus reposant. Bonne idée, Zex et Citron. Allez, encore un truc à coulisser. Cette baraque de fou. Ah bah c'est le truc central qui s'est ouvert. Ah bah c'est une clé. On a trouvé une clé. Ouais. Peu importe le nom de la sauvegarde. Je vous lis un peu. Ouais, l'album MP3, ouais. Ouais, ouais, je me suis écouté Bernard dehors quand je rentrais. J'avais mon baladeur, quoi. Et ah, j'ai la clé bleue. On le voit à droite.
Et sympa, franchement, la musique est de qualité. Alors, progression. Non, c'est pas là la sortie. Merde, ça y est, je suis en train de me perdre. Je sais plus. Au secours, je suis perdu. Où est la sortie? Elle est là. Alors là, c'est le jaune. C'est pas ça le bleu? Bah, je croyais que j'avais la clé. Alors c'est un autre bleu. Oh, faut retenir les symboles en plus. Méchant, beau. Le jeu qui rend fou. J'ai gagné un truc ici ou pas? Je sais plus. Je crois pas. Hein. J'ai peut-être mal exploré. Ah oui, là, il y a un truc là. Comment je libère le machin? Apparemment, je peux pas les égouiller préventivement entre les barreaux. Dommage. Mais il n'y a pas un interrupteur? Il n'y a pas un truc que j'ai loupé là? Le truc me tend les bras, mais... Non, il y aura des interrupteurs dans les pièces. Là. Oh, vache, ils sont excités, les vilains. Ouais, c'est un peu gerbotron, hein. Faut s'y retrouver. C'est quoi la pièce là-haut? C'est quelle couleur? C'est jaune. Attendez voir, petite pause. Je vais essayer de rafraîchir un peu le... Attendez. Ouais, il est déjà 10h machin. Clac, clac, clac. Ouais. Je rafraîchis. Oui, il est déjà 10h40. Oh, le temps passe vite. Là, c'est du vert. Ah, je veux bien prendre un peu l'air. Wouh! Bah, j'ai envie d'alterner. J'ai envie de retourner dans la partie de l'île que j'ai pas faite. Et puis après, on reviendra encore à l'intérieur du truc. Ça permet de varier les plaisirs, des goûts et des couleurs. Allez, go. Là, j'étais pas allé à droite, je crois. Je crois, hein. Pardon. Excusez-moi, je digère mon café au lait. Alors, mais il y a une bâtisse en extérieur que j'ai pas faite. À un moment, on est passé devant, je sais plus où est-ce qu'elle était. Et je suis pas rentré dedans. J'ai peut-être loupé un truc important. Eh ben, quelle aventure! Oh là là! Bah, c'est pas là? Oui, si, je crois que c'est là. Ah bah, c'est du jaune, on peut pas y aller. On va comme ça. Si j'essaie de faire le tour, c'est une bonne idée ou pas? Attention, il y a la falaise toute proche. Non, c'est bizarre. Picha, picha, houhouhou, et j'ai vu qu'il y avait des trucs en hauteur, mais je sais pas comment on fait pour y aller en fait. Bon, bah. Pardon. Je tourne un peu en rond. Ah, oui, non, il y avait la grotte bizarre.
Mais je pense que j'ai tout fait à la grotte bizarre. Ah. Attention de ne pas chuter. Oula, oula. J'ai déclenché le son de mort, mais sans mourir. Ça veut dire que j'ai trouvé la limite du truc. Il faut pas que je m'avance davantage. Non, finalement, je crois que j'ai toute cette aile A, cette partie extérieure, je l'ai faite en fait. Bon. Excusez-moi, j'arrête pas de bailler, je me détends, je me relaxe. Ravi d'être en votre compagnie. Attends, j'ai rien loupé là. Alors, allons au bout de l'autre chemin. Normalement, je crois savoir que c'est l'église avec les sépultures. Si ma mémoire me trahit pas. Ouais, c'est l'église. Et l'église, c'est quoi, là, déjà? Ah! Ok! Je fais les trucs dans le bon ordre. C'est la suite. Tout va bien. Blablabla. Attendez, je sauvegarde où? Je sauvegarde là. Blablabla. Ah, c'est bien. J'arrive à faire un truc cohérent. Oui. Il faut que je rafraîchisse un peu, parce que... Oh, c'est hyper sombre. On n'y voit rien. Oh, je prends cher là. Cessez le feu! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est pour le côté funéraire, ouais. C'est du côté de la crypte. Vous aussi, vous allez découvrir la suite des contes de la crypte. C'était diffusé sur M6 dans les années 2000, je crois, non? Oh merde! C'est bien la crypte! À moi, bande de démons. Démons. Wouh. Génial. C'est digne de Tomb Raider, là. On se croirait un peu dans un autre FPS rétro du genre, qui était Blood. C'est un peu dans la... Un petit peu. Même ambiance. Alors, pardon, mais je suis parano de la sauvegarde. Joli. J'adorais les contes de la crypte. Bah là, tu vas l'avoir en image. Je vais devoir me jeter là-dedans. Je crois, hein. Non? Non? Si, je peux aller dedans, mais il se passe rien. Oh, ça veut dire vampire. Vampires. Non, pas les vampires. Ah! La physique du jeu est bizarre. Il y a des trucs qu'ils ont merdé à coder. Il y a des sauts où ils sont pas naturels. Je vais être sûr de bien aller dans tous les trucs, de rien louper. Wow, alors tu sautes ou crottes? Mais... Ah, merci. C'est pas comme s'il y avait des munitions au bout en plus. Allez, on y croit. Cercueil suivant. Non, il n'y a rien. Non, il y a de lien, non, je ne regrette rien.
Ah, je suis bloqué. Débloque-moi, débloque-moi. Non, il n'y a rien. Trop bizarre. Bon. J'y gagne quoi, là, de cette sépulture? Là, pareil, j'ai pas de clé. Bizarre. Alors, je vais encore être vilain. Ah, c'est bien, je fais le plein. Pour mon confort, déjà, je vais aller me moucher hors micro. J'ai besoin de me moucher. Et je vais aller rapidement aux toilettes. Bah tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre ma compile de clips en attendant pour vous faire poireauter. J'aurais dû vous mettre ça pendant la poste, là. Attendez. Par politesse, que je vous mette un bon truc. Attendez. Je reviens dans même pas 5 minutes. A tout de suite. Je vous mets la compile des clips. Ok. Ça marche pas. Minute. Attendez, je joue le programme en catastrophe. Oh, bah alors. Mon truc, il est cassé. Attendez. Voilà. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Bambato STV. Je reviens dans moins de 5 minutes, à tout de suite. Alors, petit manuel du bon usage des commandes. Mais c'est bien, c'est sympa ce que tu fais, Bambato. D'ailleurs, tu me donnes une idée. C'est effectivement de pouvoir saluer la personne que tu cites dans la commande. Mais en fait, c'est pour s'annoncer soi-même, comme tu as pu t'en apercevoir. Mais l'erreur est sympa et ton attention est honorable. Oui, j'ai bien compris que tu voulais accueillir LJ, mais tu me donnes une idée. Il faudrait que j'essaye de trouver la syntaxe dans la commande pour la rendre souple. Et si elle est utilisée à nu, sans argument, tu t'annonces toi. Ou sinon, tu annonces la personne que tu souhaites. Et en fait, la coiffe sanglier qui est un truc d'Europa Park, là, le célèbre... Je vais y arriver. Le célèbre parc d'attractions à la frontière allemande, là. Franco-allemande. Bref, c'est bien pour faire mumus, sympa. Mais quand j'ai acquis cette coiffe, l'intérêt, c'est que ça tient bien chaud au crâne. Et puis c'est bête, mais les deux petites pattes du sanglier que je peux presque quasiment nouer, ça tient bien chaud au visage. Donc ça permet de baisser un peu la température chez soi et de se tenir à bonne température, chaud à moindre coût, en fait. Et pour les pattes, alors j'ai pas les chaussures et je le regrette. J'aurais dû regarder pour acheter les chaussettes. Je suis acheté les patounes qu'on se déguise en chat. En plus, j'adore les chats, hein, pour ceux qui me connaissent. Bah, c'est tout bête, mais... Voilà, vous mettez ça et... Enfin, aménager, je veux dire. Oh, je suis surpris. Je pensais trouver un autre étage avec un grenier. Pardon. Oui, survivre, oui, tu m'étonnes comme objectif. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance si je devenais grossier, mais bon, j'avouerai que je... Les productions mauvais goût présentes, c'est du tout cuit. Hop, 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 le lutin de Noël qui va me faire la peau, là. Merci pour le cadeau. Ah! Ah! Oula, oula, oulala, oulala. Hop là, pardon. Me revoilà. Me revoilà, me revoilà. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Voilà, je me rééquipe. La suite. Alors, tac, tac, tac. C'est bien.
J'ai le temps, hop, même de boire un coup en plus. Alors, oui, je disais, quel est mon gain dans cette crypte, enfin dans cette crypte, dans cet édifice-là? Parce que, il faut que je récupère des trucs. J'ai pas loupé une clé. Là, j'y suis allé. Ah, il y a des portes là. Oh merde, fallait le voir. Ok, on descend d'un niveau. On se croirait dans Diablo. Oh les boules. Wow. C'est hyper sombre. Ok. J'espère que cette chose ne va pas s'animer. Bienvenue en enfer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Wow. Vache, ça descend encore plus bas. Tout va bien. Oh, qu'est-ce que j'ai entendu? Une bestiole des tréfonds. J'ai envie de dire bienvenue dans Diablo 3D. C'est trop bizarre. Attends, je viens de là, je crois. Ça fait limite jeu d'horreur. Mais qu'est-ce que... Wow! Oh, ce bazar. Po. Wow. Faut surtout pas prendre la sphère rouge, c'est un malus de moins 20% de vie. Le hang s'il est à moi. C'est bien. Donc j'ai gagné une nouvelle fois la super arme. Ah, je vois que vous m'écrivez des trucs. Ah! Vivement le remake! Ouais, m'en parle pas. Ah, pour avoir de la tronche. S'il devait y avoir une mise à jour majeure, point de vue graphique et ambiance de la du jeu. Ça fait trop flipper quand il meurt. Ah!
J'étais cerné. Aïe. Je suis pas suivi, non. Oh, mon Dieu. Où vais-je? Attends, c'est là d'où je viens, non? Oh oh. Fini? Non, c'est pas fini. On me tire dessus, j'entends des bruits. Je flippe. Non, c'est moi qui récolte des munitions. Mais, ça met nous, ça? Oh là là. Voilà. Les contes de la crypte. La suite. Ah! Roger Retro, Satanas. Ah. Il est 11h. Oh. J'ai gagné le précieux artefact. Ding-ding-ding. C'était la clé verte. Ou turquoise, je sais pas trop dire. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on progresse. J'ai pas besoin de plus de munitions? Sérieux? Bon, bah, on revient sur nos pas. Et ça doit être dans la grande demeure de fou furieux que je dois avoir accès à une porte. Ou alors quelque part dans l'île, mais où? Ouh, je sens qu'on va se promener dans les minutes qui vont suivre. Le temps de trouver la porte qui correspond à la clé que j'ai dénichée. Puis je vais peut-être essayer de trouver mon chemin et de sortir de ce dédale. Là, j'aurais pas dit non à un fil d'Ariane. La 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 la. Mais où est-ce? Wow! Je l'avais pas vu, cet idiot. Ah! Ah, je remonte, c'est bon. La sortie doit être par là, non? Oh là là, mais ce labyrinthe, c'était pas par là? Si, 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 si. Ah. C'est bien, j'arrive à encore trouver mon chemin. Ah, on n'a pas ouvert ici. Non, c'est pas parallèle. Que la sphère disparaisse, voilà. Ah, une scène. Écoutons. Ce jeu d'acteur grandiose. Un indice dans mon enquête. Ça aide beaucoup. Bref, vous écrivez quoi? Ouais, il manque le ray tracing et tout est bon. Effectivement, il est impossible de croiser Diablo tout au bout du couloir ici. Ouais, ça fait ambiance. Hein. Je trouve, franchement, j'ai l'impression de faire un Diablo en 3D. Phil Darien est du coup tout seul, boum, un Minotaur. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu le Minotaur. Donc, je sors d'ici vainqueur avec une clé. Et c'est un excellent constat. C'est cool.
Alors, on va retourner dans la demeure de Fou Furieux. Wow. Merde, mince, pardon. Je vais regarder un truc. Ouais. Welcome to the Conway Estate. Ça fait quand même plaisir de se faire accueillir par un majordome. Je refusais pas de relire la vidéo. Bon, bah va falloir retester des portes là pour pouvoir progresser. Ça c'était quoi? La verte. Il n'y avait rien de particulier là. Ils auraient pu planquer le pire un objet ou un interrupteur. Mais non. C'est pas ça. Au bout, on avait dit c'était quoi? C'était du jaune, hein, je crois, non? Ouais, c'était du jaune. Ici, c'était du jaune. Donc, jaune. En face, c'est quoi? Vert. Quelle porte on n'a pas testé? Non, je reviens dans le truc. Attends, en même temps, c'est bizarre. Eh, il y a une clé. Merde, il y a un truc à faire ici. Il doit y avoir des interrupteurs que j'ai pas vus. Re-SDR. Alors, pour le Minotaur, ils n'ont pas les droits. Faut voir avec Homer et ses ayants droits ancestraux. Ouais, je progresse. Sans déconner, je progresse. Là, je viens de récolter une clé bleu turquoise. J'en ai une à vue, mais je sais pas comment la débrouiller, mais je progresse. Le rythme est bon, hein. Là, j'ai fait un carnage ces deux dernières heures. Ça défouraille à tout va. Mais c'est un bestiaire de fou furieux. Oh, c'est beau. C'est beau. Attendez. Ah oui, ça, c'est un mystère aussi, ça. Mince. Non, c'est pas là que je... L'horloge, rien. Oh! Merde! Il y a un truc avec l'horloge. Ça avait pas marché la première fois. Attends. Ça veut dire quelque chose? You look ravishing, Tess, as always. One would never guess how old you really are. Moi, je propose l'heure du crime. Minuit. Voilà. Alors là, il y a une énigme. Vous remarquerez qu'il y a une similitude pour le vert en bas et le mauve. Ce serait minuit et quart? Trop bizarre. Il y a un truc à minuit et quart? Trop bizarre.
Je vous lis. Oh, puis cette clé qui me tend les bras. Je sais pas comment on fait pour déverrouiller le bazar. Ouais. Wow! Tout va bien, faut pas de cardiaque. Moi aussi, je sais faire. Ah! Ah! Given bait. Oh. Mais vous avez vu les petits recoins que ça déverrouille, c'est la folie. Y a rien? S'il dit c'est qu'il y a rien. Oui, les clowns font flipper. Oui, il faut pas être cardiaque, et j'ai envie de dire, faut pas être épileptique et par moment et ne pas avoir peur du noir. Parce que la crypte de tout à l'heure, punaise. Heureusement que j'avais l'écran secondaire avec un meilleur contraste. Sans quoi, sans déconner, j'y serai encore. Oh là 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 là. Mais très très bien pensé. Les énigmes, c'est un FPS très original. Je boude pas mon plaisir. La couleur du mur, on pourrait croire que c'est un truc qui coulisse, mais non, ou du moins pas comme ça. Oh la vache, j'ai un mauvais pressentiment, c'est-à-dire le fait de tourner en rond. Je pense que je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que je vais pas progresser davantage aujourd'hui. Si je tourne en rond plus d'une demi-heure, on passe sur autre chose. Quoi, je sais pas honnêtement, mais j'improvise. Help me. Help me. Attends, à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Help me. Help me. Help me. Pardon. C'est bizarre. Ça ressemble, je trouve, à la couleur, mais non. Ou alors, il faut retourner dans la grotte à la noix, la toute première. Attends, là, c'est quoi? C'est vert. Non, c'est quoi en haut? C'est bleu. Fait. Donc ce serait pas dans la baraque, ce serait ailleurs dans l'île, mais où? Je retournerai bien dans le côté là. D'ailleurs, je vais sauvegarder.
Ah non, je suis bête. J'ai déjà des munitions. 50 balles de chevrotine, c'est le maximum. Attendez, faut que je vous lise un peu. Ça, il est revenu de Stephen King, un très bon film. Pour les personnes qui aiment ce genre de film, bien sûr. Non, 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 PC, PC, PC. Je suis sur PC. Ah oui, j'ai oublié de le notifier dans mon titre. J'ai mis le nom du jeu, mais pas le support. C'est PC. C'est un vieux FPS PC des années 90, Killing Time. Wow, j'ai failli tomber dans l'eau. Non, il n'y a pas de... Je ne chuterai pas. Oh, ouais, puis il y a le truc qui m'avait intrigué, c'était les... Comment ça s'appelle ? Les trucs en hauteur tout à l'heure dans la falaise. Je sais pas comment on faisait pour les atteindre. Faut monter là ? Mais comment ? Il y a un ordre. Il y a une espèce d'escalier naturel, mais... Attendez. Non, je peux pas aller au-delà. Pas ici, du moins. Non, mais je t'en prie, SDR. Ah ouais, PC. Ah, il y avait une grotte ici. Il y avait un truc énigmatique. Ah oui, alors la grotte. Il y avait pas un truc de porte à un moment donné? Oh là là, c'est sombre. Je crois qu'il y avait une porte, non? Wow! Ah, apparemment j'avais mal fouillé. Mais what? C'est la chambre, le bain des démons. On va appeler ça comme ça. Non, je peux pas cliquer la cascade. C'est quoi ce délire? Oui, merci de m'aider à remonter. Alors le jeu est pas agaçant sur certains aspects. Hein? Oh, c'est bon ça. Arme de destruction massive, ça. Il faut les collectionner pour être... Wow, peinard face au boss. Si boss, il y a. Mais à mon avis, il doit y avoir. Il doit y avoir des momies. Non, j'aime pas le creux. Ah, ça remonte. Attendez, faut que je vous lise. Mais... Oh, c'est chiant. Je vais vous lire. Oui, il y a bien une porte quelque part. On progresse, on progresse. Au pire, il y a la carte si je suis vraiment largué. Ah ! Ça fait jonction avec quelque chose que j'ai déjà fait. Mais j'ai souvenir qu'il y avait une porte ici. Je sais plus où. Mais je crois qu'il y avait une porte. Ça, c'est la sortie de la grotte. On va y retourner parce que je crois que j'ai pas tout fait, hein, sérieusement. J'ai pas la conscience au repos. Je culpabilise de me dire j'ai dû oublier un truc, c'est pas possible. J'ai souvenir d'une porte dans cette grotte. J'avais mémorisé ça, ou alors je délire.
Mais c'est là où j'étais tout à l'heure, non? Wow, 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 wow. Bon. J'insiste une dernière fois pour retourner là où on tombe. Pourquoi j'ai gardé ce souvenir? Non, il n'y a pas. Bon, c'est plus grave. Sinon, je reviendrai là plus tard. Mais... Ah! Il y a des bugs de collision rageants. Bizarre. Ouais, au pire. Attendez, je me rassois bien. Mais je vous cache pas mon inquiétude par rapport à ma santé dans l'immédiat. Je me sens un peu barbouillé. Donc, j'espère que j'ai pas chopé un truc. Je commence apparemment à développer une migraine. Donc, je vais peut-être pas aller jusqu'à 13h. Je vais peut-être m'arrêter vers les midi. Là, il est quoi? Il est 11h20. Mince, quoi. Et puis j'ai toujours mes sinus qui me travaillent, on va dire. Oui, alors attends, il y avait une grotte qui était à l'opposé, que j'aimerais bien refaire. Alors on sauvegarde parce qu'on progresse. Je me souviens d'une grotte. Il y avait une porte. Est-ce que je peux l'ouvrir? On va le savoir. Pardon, j'avais plus de rime. Oui, bah au pire, on bascule 10 minutes, un quart d'heure au tableau mystère, et puis je coupe l'antenne. Ou je fais un relais de chaîne, je sais pas. Mais je vous cache pas que là, mon état s'améliore pas. J'ai moins mal au sinus, mais j'ai plus mal au crâne, malheureusement. Et je vous parle même pas de vos... Je vous parle pas de vos... N'importe quoi. Et je vous parle pas de mon... De côté gastrique, parce que ça travaille aussi. Donc... Mais mince, mais je tourne en rond. J'ai déjà vu l'édifice là, je me suis trompé de chemin. Donc ce serait là-bas. Mais non, ça c'est la baraque en bord de mer, non? Ah, peut-être pas. On s'y perd dans cette île. Elle est conçue pour ça. Oh, tu... Si tu veux céder une blague, tu peux, mon cher Twinsen. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va... C'est pas mon moral hein, qui est affecté. Mon moral est bon. C'est que je suis barbouillé, hein. La santé ne suit pas forcément. Mais bon, c'est la mauvaise saison, le corps est éprouvé. C'est malheureusement classique et normal. Je crois que je suis en bonne voie. La grande grotte, là, elle est où? Je ne me souvenais pas que le chemin était si long. Ah si, la voilà. Alors, attendez, test. Test, 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 test. Il y a une porte au fond de cette grotte que j'ouvre pas. Elle est... Il y a un symbole dessus. Est-ce que ça correspond à la clé que j'ai trouvée? Oui ou non? On va vite le savoir.
C'est toujours aussi sombre, je n'y peux rien, ces jeux. Merde, je reviens à l'entrée. C'est que j'ai pas pris de bon chemin. Non, sérieux? Bah, j'ai refait un plein de munitions, c'est toujours cette prix. Ah, là voilà la porte. Merde, c'est pas la bonne. Donc c'est pas par là qu'il faut aller. Ah, oh, merde. Merde, merde, merde. Je vais pas aller à l'opposé, l'autre côté de la grotte, parce que je sais qu'il y a un... On a déjà fait, c'est un cul-de-sac. On a déjà récupéré, on avait un symbole Anx, et puis on avait peut-être une clé à l'époque, je sais plus. Merdoum, la suite est pas là. Attendez, je vous lis. Mince, ma tablette s'est éteinte. C'est mise en veille, la malheureuse. Ah, je vais louper vos messages, merde. Deux mots, je discute sur une déjection canine. J'ai une séance envie de péter, moi, grosse dégueulasse, on est à table. Oh. Merci, c'est une scène pour ceux qui sont éventuellement déjà à table. Bon, il est bientôt 11h30, mais avec le décalage horaire de certains pays. Mais je maintiens l'idée qu'il y a un truc en hauteur. Il y avait des grottes en hauteur que j'ai vues au loin, que je peux pas atteindre encore. Donc il y a un accès, il y a un truc que j'ai pas déverrouillé ou que j'ai pas trouvé. Les mystères de Killing Time. Donc la suite n'est pas par là. Attendez, je vais peut-être retirer mon chapeau, pardon. Ou alors je le mets différemment. Parce que c'est peut-être lui qui me provoque le mal de crâne. Ça me sert peut-être un peu trop au niveau de la circulation sanguine. Oh, allô. Mince. Là, je sèche. La suite serait donc dans la grande demeure, dans la baraque. Parce que les accès que j'ai... Ah non, attendez. Au-dessus des buts, dans le port, quand on arrive, je crois qu'il y a une porte avec un accès verrouillé coloré, là. Comme on vient de le voir. Attendez voir, je vais revenir sur le quai du début. J'ai un doute. On va peut-être remettre un petit peu la musique. Et si elle est à nouveau saoulante, je la recoupe. Histoire d'avoir un peu l'ambiance quand même. Tu es une scène. Oh, je la lirai même pas de vive voix. N'importe quoi. Il n'y avait pas des portes ici au début. Je crois qu'il y avait des portes à déverrouiller, non? Oh là 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 là. Il n'y avait pas de porte là, je crois pas. J'avais tout fait ici. C'est la cave à vin. Il n'y avait pas de mystère. Non, il n'y avait rien. J'avais tout fait ici, je crois. Au pire, hein, j'essaierai d'errer en antenne. J'entends un truc. C'est la musique ou c'est un truc? Il y a un ennemi qui bouge.
Le truc qui me fait flipper, ce serait que les statues prennent vie. Alors là, je vous cache pas que ça me foutrait les chocottes. Attendez, je vous lis. Non, 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 mon ordi est pas en train de lâcher en soi. C'est la basse résolution du jeu qui fait sauter l'interface. Ce jeu est particulier, je suis désolé. Je peux pas avoir le rafraîchissement du chat ni l'horloge. J'y peux rien. J'ai pas la parade, je suis désolé. Dieu merci, non, c'est pas mon ordi qui lâche. Il fait bien son boulot, mon ordi. Je sais plus, je suis arrivé par là, c'est mon bateau. C'est le quai de d'amarrage. Il n'y avait pas une porte ici. Spécial sur les quais, je m'en souviens. Je vais pas aller au bout du quai, je vais encore me noyer comme un caca et mourir. Je crois qu'il y avait une porte ici verrouillée, mais non. Non, non, c'est moi qui ai une mauvaise mémoire. Non, non, les meubles s'ouvrent pas. Bon, bah, je vais remonter là où j'étais face au manoir. Je vais sauvegarder face à la grande demeure. Et puis on va passer au tableau mystère. Après je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce que je rends l'antenne? Est-ce que je papote avec vous? Est-ce que je mets quelques clips? Je sais pas. Là je dois m'avouer bloqué. Je vois pas. J'essaierai de me débloquer plus tard dans mon coin. Je vais pas vous faire subir ça. Je progresse plus là. J'avais un rythme d'enfer ce matin, c'est bien, on a pu jouer un peu. Ou alors il y avait un truc dans les jardins, attendez. On n'a pas refait les jardins. Je crois qu'il y avait un truc dans les jardins aussi. On va vérifier rapidement. Il n'y avait pas un truc? Là, il y avait de quoi faire le plein. Bon, je suis déjà au taquet. J'ai déjà plein de trucs. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre des ennemis tout proches. C'est vraiment bizarre. Et à l'autre bout, il y avait quoi? Il n'y avait pas une cabane de matos? Non, apparemment. Ou pas là, c'était l'autre jardin. Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne. Et ça permet de financer Server Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux. On dessine un commun sur le chemin. C'est vraiment très gentil de toi. Merci beaucoup. Bisous. Un PS pour le shop OKJ prévoit secrètement de TPK LOL Smilet Bonjour à toi, Mater Sage. Et bonjour au chat. J'ai gardé l'accent là parce qu'il est trop bizarre en français. Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Tu m'as foutu la frousse. Bonjour, bonjour. Donc, je me disais les jardins. Dans cette demeure de fou. Il y a l'autre côté des jardins et je crois qu'il y a une cabane de jardinier en fait. Mais je crois pas que ce soit un accès verrouillé. J'ai failli dire vérolé. Il y a une cabane avec du matos. Et je crois qu'il n'y a pas d'accès bloqué là. Voilà. Non, non, c'est. Il n'y a rien de particulier. Non, bah je suis coincé. Je sais pas où est la suite. Je vais devoir errer dans l'île mystérieuse.
Et puis quand j'aurai trouvé la suite, bah je réémettrai quoi. Enfin, je réémettrai. On se passe ça une prochaine fois? C'est beau. À moins que vous ayez une suggestion dans le chat en disant retourne à la crypte, retourne à l'église, je sais pas quoi. Si vous pensez que j'aurais loupé un truc. C'est vrai que mon prochain réflexe sera de relire les sépultures, les tombes. Il y a peut-être un message caché dedans. Mais là, je m'avoue coincé. Ouais. Cette île est loin d'avoir relevé tous ses mystères. C'est vraiment étrange. Bon, bah je vais sauvegarder en reprise. Et puis dans mon coin, je verrai. Eh bien, sacré jeu. Sacré jeu, dont j'adore le générique. Attendez, je vais revenir en gros plan. Pardon. Oh, j'ai pas lancé 8 noms. Ça fait caca dans l'interface. Attendez. Excusez-moi. Et là, vous voyez, l'horloge et le chat remarchent. Ah bah, vous voyez, j'avais prévu l'heure du tableau mystère à dans 1 h 10 min. Ouh, ben, oh bah, depuis que j'ai aéré, j'ai moins chaud. Hein. Un petit peu froid, j'avoue. Oh, j'ai décalé mon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déglingué ma caméra, moi. C'est pas la fin du monde, mais bon. Oh, vous voyez plus le chapeau. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, oh, j'oublie un peu. Ah, vous vous saluez entre vous. C'est bien. Je vais préparer mon tableur du tableau mystère et puis on va y jouer un peu. Alors, oh là là, ça, le jeu a fait sauter mes trucs. Alors, tableau mystère. Attention, faut pas que je fasse de bourde. Surtout pas que je vous donne les réponses à l'écran. Ouah. Sinon, ce serait la cata, la chatastrophe. Alors, tableur, on en était où, nous? Est-ce que j'ai eu des réponses de votre part? Ah, faut que j'ouvre le navigateur pour voir la liste. Je me prépare, je me prépare. Donc, du coup, ça compte plus, hein, mon horloge de tableau mystère. C'était au plus tard, j'allais le dévoiler. Enfin, refaire le point, mais on le fait maintenant, le point. Ah, l'allée. Oh, non, vous n'avez pas joué depuis 6 jours. Bah alors, vous avez même raconté des âneries. Bravo, je vous félicite pas. Vous m'aviez balancé des âneries la dernière fois. Ah ouais, Killing Time est une très bonne chanson de Help. Je connais pas. Eh bien, merci pour l'info culturelle. J'aime les infos culturelles. Tableau mystère, pardon. Je vais l'exhiber fièrement. Brrr. Ah oui! On cherchait la madame. Ah. Il faudrait que je vous donne un indice. Faudrait que je vous donne un indice. Ah tiens, j'ai pas mis à jour mon image de tableau mystère, enfin le logo. Attendez voir que je le mette à jour, à chaud. J'ai quelque chose de mieux maintenant. J'ai une image animée normalement, qui vous rappelle de faire la bonne commande. Où est-ce que j'ai mis ça? Je finis par m'y perdre dans mon arborescence, au niveau de ma chaîne. J'ai tellement de trucs maintenant. Mon habillage, il est où? Tableau mystère, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, minute papillon, je vous prie, je vous laisse réfléchir sur la madame. OBS habillage. Ah, ça doit être ça, je crois. Je crois. Normalement, le tableau. Voilà, c'est animé. Et ça vous rappelle la commande point d'exclamation TM. Tadam! C'est cool. Ça va vous aider à bien jouer. Pardon, je bois un coup, je me désaltère. Et je vous lis. Et je vais me faire un café histoire de me reconstituer. Je viens de me réveiller, je suis à l'état de blob. Bah bon café à toi, Chris.
Non, là, je bois du sirop de cerise. Il est pas dégueu. Ouh. Je souffle un peu. Excusez-moi du peu. Que dire, que faire? Oui, donc vous êtes coincé sur la madame, vous n'avez pas d'idée. Alors, je vous invite à bien observer le décor de fond derrière la madame. Ça vous inspire quoi? D'après vous, c'est quoi le lieu derrière? Je pense que la rambarde et l'espèce de poubelle publique pourraient vous aider. Et puis, c'est pas comme si on voyait un bois à l'arrière-plan, c'est des arbres. Non, ça vous inspire rien, ce que je vois. C'est une aire de pique-nique. Je pense qu'en vous donnant l'indice aire de pique-nique, vous allez trouver. Moi, je vous laisse donner les réponses. Donc, cherchez sur votre moteur de recherche un jeu ancien, des années 90 environ, où bah, y a une madame et il y a une aire de pique-nique. Et alors, sachez que je m'organise pour rediffuser lundi après-midi. Comme je ne suis pas là ce week-end, exceptionnellement, je vais rediffuser lundi après-midi. Donc, on fera le point à ce moment-là, au niveau du tableau mystère, lundi en fin de journée. Donc, je sais pas, on va dire, je pense que je vais régler mon horloge vers lundi 18h ou 19h. Et encore, attention, il y a mon copain, mon ami, vous savez, FunFan. Il diffusera lundi. Je ne sais pas s'il diffuse l'après-midi ou le soir encore. Donc, en fonction de son planning, bah, je m'adapterai. Si FunFan diffuse lundi après-midi, je diffuserai un peu le soir. Je ferai sûrement le Resident Evil 0. C'est très probable. La suite, parce que là aussi, je me suis déverrouillé. Et s'il diffuse le soir, bah, moi, je diffuserai l'après-midi. Et puis, s'il diffuse le soir, je ferai peut-être un relais, si je suis en forme. Si je suis pas barbouillé comme aujourd'hui, à mon avis, je pourrais tenir toute l'après-midi sur Resident Evil. Et puis, on fera peut-être autre chose si je suis à nouveau bloqué dans ma progression. Voilà. Donc, on fera le point lundi après-midi sur le tableau de mystère. Voilà, voilà. Bon, bah, je vois que j'ai aucune réponse. Voilà, je vous ai donné l'indice du jour. Une aire de pique-nique. Ça devrait vous aider. Oh, qu'est-ce que je fais? Killing time, je suis coincé. Je pourrais encore diffuser une petite heure, mais un truc qui me demande pas trop d'énergie, parce que là, je suis un peu patraque. Ou vendredi 13. qu'est-ce que je pourrais vous faire? Oh, au lieu de voir d'exhiber ma tronche, je vous remets le tableau en attendant. Je vous remets le tableau, attendez. Mince, elle est où mon interface? Ah, elle est là. J'ai tellement de fenêtres pour assurer le direct. J'en ai une vingtaine, là. Et je m'y retrouve déjà plus. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Ah, je continue un petit peu Corridor 7. Pourquoi pas, tiens. Je me fais peut-être une petite heure. Ouais, je vais me faire une petite heure de Corridor 7 avec vous. Vous savez que j'adore ce jeu. Je vais faire ça, tiens. On va faire du Corridor 7. Ça me fait plaisir. Ça fait zizir. Alors, gestionnaire de stream. Je vais déclarer que je change de jeu. Corridor 7. Voilà une idée qui est bonne. Ça joue Peinard Pépouze. Voilà. Au niveau du titre, je vais me mettre à jour aussi. En précisant qu'on est sur PC. Voilà. Tac, tac, tac. Alors là, c'est bien. Là, j'aurai le chat. Alors, hop, je crois que je peux refermer mon navigateur. Je vais essayer d'éviter d'encombrer la mémoire. Je prépare Corridor 7. Attendez voir. Ah merde, j'ai pas mis le... Mince. Encore que... Je sais plus. Ah, j'y joue peut-être qu'à la souris à Corridor 7. Je sais plus.
Je sais plus. On va voir. Je fais peut-être comme Killing Time, en fait. Alors. Minute papillon. Zoop. Je recompose ma scène. Pardon. We've uncovered something. Looks like an alien artifact. Non, attendez. C'est ça peut-être. Bah. Mais non, mais attendez. Mais non! Oh, qu'est-ce qu'il me fait, cet abruti? Alors, ouais, sauf que c'est pas la bonne scène. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est bon. On y croit. Voilà. Ah, et là, normalement, je dois pouvoir vous lire Peinard Pépouze. Et tout se met à jour. Là, vous voyez, c'est bien dynamique. Je vais peut-être me redresser parce qu'on voit plus ma tronche. Voilà. Tout m'a l'air correct. C'est ça. Ça, je vais me mettre en plein écran histoire de savourer mon jeu. Et on y va. Oui, j'ai même mal au bide. Oh, j'ai pas de chance aujourd'hui. J'ai le bidon qui me travaille. Alors, on en était où? Je sais même plus. Oh, je sais même plus. On recommence au 26, c'était le dernier niveau là. Le dernier niveau en date. Ah oui, je l'avais pas du tout fait. Donc, pour sauvegarder. Hop, hop. Voilà, ce sera dans le 1. Aouh ! Pardon, je me fais mal en plus. Oui, oui, je le joue à la souris en fait. Mince, pardon, je fais des bêtises. Ou pas. Non, je veux pas sortir. Attendez. Je prends mes repères. Hein. Non, c'est pas ça. Mais non. Oh. Ok. Mais c'est vrai que je pourrais y jouer à la souris en disant... Ah ben non, c'est comme ça. Waouh ! Ça fait flipper ! On est vraiment en enfer là aussi. C'est une autre forme d'enfer. Ah ! Ça veut dire qu'il y a... Ah non, il n'y a pas des lasers, ils me tirent dessus. Bienvenue en enfer. Il reste 49 monstres. Attendez, je vais rester à la lunette. Non. Non. Waouh. Attendez, je vais faire le tour. Le pire, c'est que j'ai pris un petit déj ce matin. Et j'ai quand même l'estomac qui crie famine déjà. Donc ça veut dire que mon corps me demande de l'énergie. J'essaye d'ameuter un peu les troupes. Histoire d'en débusquer quelques-uns. Ouais, bah sinon je retourne dans le... Dans la partie où il y avait... le monstre Gremlins là qui est sorti. À mon avis, je vais devoir aller là. J'ai commencé à défourailler là-dedans. Pardon.
Voilà. Wow! Wow! Il y a du pop! Il y en a d'autres. On le voit au radar, le petit pixel jaune. Pour ceux qui peuvent me regarder en 720p. Vache. Je sauvegarde. Parce qu'on progresse. Oh! Sphère d'invisibilité. D'invincibilité. Mais je sais pas si elle va mettre d'un grand cours là. Alors sachant que j'ai 2 points de vie, je veux bien me régénérer. Voilà, je me sens mieux. Je suis passé de 2% à 100%. Ça fait toute la différence. Donc pour ceux qui n'étaient pas là dans les épisodes précédents de ce jeu, on est dans Corridor 7. En fait, on est un soldat des forces spéciales américaines. Et... Pardon. Et... je commence à avoir un truc dans la gorge. Oh là là, je suis vraiment pâteau ce matin, désolé. Et en fait, il y a eu la suite de l'exploration spatiale. On est en 2070-2080, là, je sais plus. Et des cosmonautes ont trouvé à la surface de Mars un artefact. Une espèce de pyramide qui tient dans la main de couleur grisâtre. Et évidemment, le gouvernement américain a ramené et a gardé jalousement cet artefact pour l'étudier dans un labo ultra secret aux États-Unis. Comme je sais plus qui c'est, il m'avait fait la suggestion dernièrement, c'est peut-être la zone 51. On peut, voilà, mystère total. Et dans leurs expériences, ils ont fini par activer l'artefact qui est en fait un téléporteur, un portail portatif. Portail qui a ouvert la voie depuis un monde extraterrestre, où manque de bol, les extraterrestres sont avancés technologiquement et sont hostiles. Donc, le labo secret américain a été pris d'assaut depuis le portail. Et je suis en charge de faire le ménage. Et de débusquer sous-sol après sous-sol les aliens. Qui sont joyeusement installés. Et je m'approche de plus en plus du portail. Puisque vous voyez que ça ressemble de moins en moins à un bâtiment conventionnel. On est loin de l'aspect, entre guillemets, accueillant des premiers niveaux. Qui ressemblait en fait à des bureaux administratifs. Là, on approche de l'enfer en fait, extraterrestre. Voilà, voilà. Alors, j'ai mal regardé le radar. Je sais pas si j'ai bien fait les choses, mais on progresse. Alors, mince, me trompe de touche. Alors, attends, je me sers du radar pour voir qu'il y a du monde. Ça bouge, mais je me méfie de m'engager parce que... Il me reste plus beaucoup de points de vie, là.
Là, je prends des risques. Je serais peut-être bien de revenir là où j'avais la chambre de vie. Je vais refaire le plein de vie là, parce que je suis dans la mouise. Alors, faut essayer de mémoriser les lieux. Je sais déjà plus. Il y en a un qui se promène dans le grand couloir, c'est pas bon signe. Ah merde, homme. Là, on peut le dire, ma situation n'est pas maîtrisée là. Aïe 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 aïe. Non, ça c'est... Alors attends, il y a un ennemi qui arrive, qui est par là. Voilà, celui-là je l'ai zigouillé. Au moins j'en ai plus. Enfin, j'en ai plus aux alentours. Le rêve est de dégoter, de trouver la carte qui me donne en fait le plan complet du sous-sol. Enfin, ce sous-sol-là. Mince. Ah bah non, j'ai plus besoin de la tablette puisque je vous vois au niveau du chat maintenant. Je suis bête. Merde. Mais comment je fais pour atteindre le... Je sais plus. C'était une porte à l'extérieur ? Ça y est, je suis largué, moi, comme un gros nigo. Ouais, m'en parle pas que c'est pour des cartes, fun fan. Il a un sens de l'orientation encore plus dégradé que le mien. Bah merde alors. Ou alors c'était pas là ? Je sais plus. C'était là-bas peut-être ? Qu'il y avait des chambres de régénération ? Moi, je suis passé dans un laser, là. Ah ! Et dire que j'ai loupé ça. Le coup de la carte. Attendez, c'était où ? Ah ! Merci. Mince. Help chamber activated. Activated. Oui, oui, j'ai besoin d'un aiguille. Je sauvegarde. Il y a un fichu laser. Bon, c'est un grand avantage que d'avoir la carte complète. Grand avantage stratégique. J'entends très vaguement la musique. Je sais pas si vous l'avez. Pourtant, elle est bien la musique de jeu. Synthé des années 90, là. Je l'ai très faiblement en retour. Peut-être que vous l'avez plus fort que moi. Hop là, non. Ah, je l'ai provoqué. Ah, c'est bien, il me donne une recharge de munitions alien. Ah bah lui aussi. Cool. Alien charge pack. C'est ça qui est bon. Pour ceux qui n'étaient pas là à mon introduction, vous avez une nouvelle émoticône qui a été déverrouillée cette semaine, qui est le PLS. Vous pouvez jouer avec l'émoticône PLS à laquelle j'ai associé un son rigolo. Je me suis tapé un délire hier. Help chamber activated. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais. Le PLS est nouveau. Bah merci à vous, en fait, c'est vos abonnements, en fait. Surtout SDR et FunFan. Vous m'avez déverrouillé un emplacement, en fait. Et
voilà, je me suis rué dessus. Donc je rappelle que j'ai été, entre guillemets, puni par Twitch. Parce que dans mes émoticônes, j'ai violé une de leurs règles. À un moment, je voulais faire valider une règle. Une émoticône avec le panneau information avec un i. Sauf que tu n'as pas le droit dans tes émoticônes. J'ai retrouvé la page des conditions qu'après, malheureusement. Tu n'as pas le droit de mettre des caractères dans tes émoticônes. C'est parce que ça contourne en fait la règle du chat en émoticône seulement, justement pour éviter le texte. Et c'est vrai que c'est logique, j'y ai pu penser. Donc, quand je leur ai proposé ça, bah, ils m'ont puni, ils m'ont supprimé le truc. Souvenez-vous, je vous l'avais dit. Mais, par la suite, bah, du coup, j'ai cop, on va dire, d'un blâme de 60-90 jours environ. Et merde, je fais des âneries. Oh bah tiens, je vais sauvegarder comme ça. Je vais sauvegarder dans le 2, tiens. Et je me plante. Il est midi, bon appétit si vous passez à table. Il n'y a que au printemps prochain, du coup, que je vais pouvoir, c'est dommage, que je vais pouvoir vous proposer 4 ou 5 émoticônes pour ceux qui suivent la chaîne sans être abonnés. Donc je suis désolé, mais du coup, mon panneau dans la coulisse de nouveautés est gelé. En punition, quoi. Bon, c'est les règles de Twitch, tant pis. Le cas échéant, je vous redirai quand j'aurai déverrouillé ça. Que dire d'autre? Vous avez dans la boutique, point d'exclamation boutique. Oula, j'ai pris cher. Je me suis fait avoir comme un bleu, là. Vous avez dans la point d'exclamation boutique, vous avez accès enfin au téléchargement de la compile des meilleurs moments de la phase alpha et bêta de ma chaîne. C'est-à-dire la saison 0, entre l'été dernier où j'ai commencé à émettre et le 31 décembre dernier. Vous avez un fichier de 2 gigas à télécharger, qui est une vidéo, hein, donc, et qui dure presque une heure. Vous vous rendez compte, en 4 mois, j'ai pu vous faire une compilation déjà de près d'une heure de dânerie en direct. Des bons moments. Floor secured. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Ah, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'aliens. Ouais! N'hésitez pas à vous faire plaisir dans la boutique. Point d'exclamation boutique. Si vous êtes abonné, vous pouvez directement télécharger la dite vidéo. Si vous suivez la chaîne, vous devez débourser un certain nombre de points fidélité. Pour y accéder, mais je sais que la plupart d'entre vous qui me suivez, vous le faites depuis un bon bout de temps, donc je me fais pas de soucis pour vous, vous y accéderez rapidement. Oui, voilà, merci Tunesen qui a lancé la commande pour que vous ayez tous le lien. Alors normalement, vous devriez avoir le lien en message privé par Wisebot pour télécharger la vidéo. Si ça marche pas, dites-le moi. Mais je suis relativement confiant. Oh, ce dédale, je sais où je suis perdu. Je sais pas où qu'on sort. Au secours. Ça va être tout aussi pire que Killing Chime. Prout. C'était peut-être par là, non? Oui. Ah, ça y est. Il y a un secret que j'ai pas exploité. Des secrets, j'ai envie de dire, d'ailleurs. Il y a des trucs vachement épais, je trouve. Je serais tenté d'aller par là-bas. J'ai vraiment mal au bide, hein. Je suis désolé. J'espère que j'ai pas chopé une gastro. Oh, j'espère que ça va pas gâcher mon week-end. Je suis censé pouvoir profiter de la famille, là.
doit y avoir un truc par là. Ouais, oh, j'espère que je l'ai pas chopé. Parle pas de malheur, s'il te plaît, mon cher Twinsen. Y a rien de rien. Ah, c'est bizarre. J'arrive pas à trouver le secret. Ou alors c'est une autre pièce. Ah! Ah non, j'y ai cru. J'ai cru que le mur avait coulissé, moi. Pardon hein, si je tâte du mur, mais j'aimerais bien trouver un secret. Peut-être la salle là, en fait. Ah! Enfin! Ah, body armor. Ma persévérance paie. Ah oh bah c'est trop tard pour ça. Ça va pas me servir dans le niveau suivant, l'adrénaline. C'est d'avoir 400 points de vie là. C'est bon pour les stats, mais. Oh, allez-vous. Merdoum. Pardon. Non, parlez pas de malheur, s'il vous plaît. C'est terrible. Non, non, je veux vraiment pas choper cette cochonnerie. Bonjour à G-Club, j'espère que tu vas bien. Ah, oh, on voit que je suis mal assis, attendez. On voit même plus ma bouche par rapport au cadrage. Bon, je sais qu'il y a l'horloge, mais... Voilà, j'ai encore tapé le micro, désolé. Comment qui va, notre EJ? Le Benjamin de l'équipe. C'est cool. Alors moi je suis barbouillé. Depuis ce matin là, j'ai l'impression que mon état de santé décline. Je commençais par un mal de nez. J'ai tout à l'heure, il y a 2 heures, c'était mal de crâne. Et là, c'est en train de tourner au mal de ventre. Donc je suis pas trac. C'est pas cool. Je suis barbouillé. J'espère que j'ai pas chopé une cochonnerie. Dont la satanée cochonnerie. J'espère que c'est pas ça. C'est vrai que là, je me sens plus fatigué que la normale. Mais je vais m'accorder un peu de repos cet après-midi avant de faire des festivités avec la famille. Tu as hâte d'être ce soir par rapport à FunFan, son programme. FunFan, il diffuse aujourd'hui et demain. Pardon. Mais je suis bête, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai rien à faire ici, moi. De toute façon, j'ai fini. Il faut que j'aille dans l'ascenseur et que je me barre au niveau suivant. N'importe quoi, moi. Oh là 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 là. Allez, Zou. Sous-sol suivant, on descend. Ah oui. C'est bien de jouer à deux zones siège. C'est bien. Ah, j'espère que vous éclaterez bien. Pardon, je fais craquer mes doigts, c'est pas bien. Excusez-moi. Oh, je suis en train de m'étirer. Alors, on sauvegarde. Oh! C'est quoi cette pièce de fou? C'est la gueule! Sortie de votre trou. Il n'y a rien de spécial? Il n'y a pas de laser? Ah non, il n'y a pas de laser. Oh mon Dieu! Regardez ces murs. Ces murs nous regardent. C'est l'horreur. C'est l'horreur! Alors, le côté horrifique des yeux qui sortent des murs, l'intérêt, c'est de les ouvrir et de marquer, en fait, s'en servir comme point de repère.
Eh ben, je vous cache pas que je suis pas pressé de franchir le portail et de découvrir le monde extraterrestre. Je sais pas ce qui m'y attend, mais à mon avis, ça va être vraiment l'horreur à 1000%. Tiens, c'est bizarre comme configuration. La 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 la. C'est ça, une scène. La 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 la. Je vais pas prendre l'armure tout de suite parce que j'ai un niveau élevé d'armure. Je vais essayer d'intelligemment. Ouh, je sens que je vais me faire cuire là. Et voilà, c'était sûr. C'est vraiment la config piège. Non mais ils vont me buter là, ça va pas. Je la sens pas. Je la sens pas du tout. Il y en a encore. Allez, bougez votre boule. Ah, merci. Alors là, ça vaut le coup pour la carte. Mais gare à ma vie qui est très faible. Je risque de déguster. Attends. Il n'y a pas de mur qui se pousse là. J'ai aucun mur qui se pousse. Ah merde. C'est pas cool. La 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 la. Et un rappel pour ceux toujours qui n'étaient pas là dans ma longue introduction de ce matin, pour toutes les nouveautés, etc. Les nouvelles. Vous pouvez maintenant jouer un défi de communauté et céder vos points de chaîne pour déverrouiller mon prochain chapeau. Puisque j'ai fait le plein de chapeaux, j'en ai acheté près d'une dizaine, chapeaux ou perruques, dont une de blond, ce qui fait rire Zex de Citron. Quand vous aurez déverrouillé l'accès à ce chapeau dans les 48 heures qui suivent, je vous dévoilerai dans la boutique le dit chapeau et je m'engage à porter ce nouveau chapeau lors du prochain direct en intégralité. Comme aujourd'hui, là, je porte en intégralité le chapeau de la Saint-Patrick. Voilà! Pardon. Putain, j'ai une démangeaison à l'œil maintenant. J'aurais pas dû me frotter l'œil, pas bien. Heureusement qu'il n'a pas fait feu. Heureusement qu'il n'a pas fait feu. Si seulement je peux trouver de la vie. Je suis où là? Il n'y a pas de passage secret, rien. J'appuie comme un bourrin. Soupir. Ouais, non. C'est la Saint-Rémy aujourd'hui. Bonne fête à tous les Rémy. Je connais un Rémy, mais j'en dirai pas plus. D'ailleurs, je lui écrirai un petit mot tout à l'heure, une fois que j'aurai rendu l'antenne, pour lui souhaiter une bonne fête. Papa. Bon. Oh,
Oh là 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 là, ce dédale de fou furieux. Donc dans le chat, du coup, techniquement, il y en a qui ont déjà réussi à télécharger leur vidéo. Alors faites gaffe d'ailleurs avec Mega. Il y a un truc que j'ai pas aimé. C'est-à-dire que Mega vous propose de lire le contenu directement en ligne dans votre navigateur. Je vous invite à éviter de lire en direct en ligne et de bien cliquer en bas dans le bouton télécharger en vert pour vous rapatrier la vidéo sur votre ordi et que vous la lisiez localement et pas à distance, histoire de pas trop solliciter les serveurs de Mega. Surtout que là, pour le moment, c'est un compte gratos. Et c'est gracieux, enfin c'est Mega qui offre le service et c'est sympa quoi. Donc ce serait cool de pas mettre à place ces serveurs en évitant de regarder directement dans le navigateur ladite vidéo. Merci de votre compréhension. Bon là je peux la prendre là, voilà. Merde, au niveau vie je serais content d'avoir de la vie là. Je serais content d'avoir de la vie. Ah, oh, il est où le corridor? Attendez que j'en réfléchisse. Le corridor, il peut être à beaucoup d'endroits. Le corridor, il peut être indiqué là. Ah, je vais être obligé d'ouvrir avec d'interagir avec tous les yeux pour pouvoir en pousser un, je pense. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, je suis navré, mais... Merdoum. Ou alors... C'est là-bas... Là-bas, là-bas, là-bas... Oh là 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 là... Je vais devoir m'exciter comme un fou furieux à faire tout le mur, il est long. Allez, bouge le mur, je veux accéder au corridor. Vous allez voir qu'il y aura rien. Non, on arrive au bout. On arrive au bout, il n'y a rien. Non, c'est cruel. Mince. Oh là 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 là. Évidemment, hein, plus on avance dans le jeu ou qu'on descend dans les sous-sols, plus c'est difficile de trouver les passages secrets, évidemment ils sont davantage planqués. Ah, ah. Ah, t'es une scène. Merde, j'ai loupé. Ah, j'ai plus de munitions. Ça craint. Si j'ai automatiquement changé d'arme, c'est que j'ai plus de munitions. Je suis dans la mouise. Il y a intérêt à ce que je retrouve des armes. Ah. Ah. Ah, j'ai ça par exemple. Ça peut me sauver, ça. On y croit. Non. Je veux trouver une chambre secrète avec un max de matos. Parce que là, c'est craignos. Oh, il y a des lasers. Mais vous êtes nuls, vous êtes chiens. Non, c'est pas là. Oui, c'est un piège le truc en fait, non?
Attends, je suis d'un soir d'été, comme dirait Jacques Brel. Ah, il n'y a rien qui se pousse. Ah bah, je suis mort par les lasers. Ah, satané laser. Blablabla. Oh, on a déjà 1 million de points. Énorme. J'ai déjà mon 1 million de points. Mais je me souvenais pas que j'avais 1 million de points aussi vite. J'avais 1 million de points près du portail. Mais on est encore loin. Ça voudrait dire que je me serais amélioré depuis. Magnifique. Je joue mieux que quand j'étais plus jeune. Qui l'aurait cru? C'est grâce à vous. Vous m'encouragez en fait. C'est ça qui est cool, par votre présence. Merci à vous. Retrieve mission tout. Oui, alors j'avais ça. Ah non! Attends. Ne me dis pas que j'ai sauvegardé sur le... Ou alors c'est pas grave, je peux recommencer le niveau. Mais c'est ballot. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballu. Tant pis, on va faire différemment. On va faire différemment. Allez, zou. Ouais, surtout qu'il faut que je fasse gaffe avec mes munitions, du coup, et ma santé. C'est peut-être pas plus mal que je redémarre le niveau. Oh, on l'a vu, lui. Alors, rien que lui, déjà, il m'a bien saucé. Oh! Alors lui, il a failli me liquider. Et la carte, elle était pas là. Elle était je sais plus où. La carte elle était... Ah ouais mais c'est l'enfer quoi. Non. Oui il a failli me buter, génial. Wow. Il m'a buté, j'avais oublié. Bon, on y croit. Je vais faire une dernière tentative. Et puis sinon, on retourne au tableau mystère. Et puis je rends l'antenne parce que... Je me fais peur parce que je me demande si je commence pas à faire de la température en plus. La totale. Merde. Ah, j'ai pas de bol. Alors c'est vrai que c'est un... Enfin bref. Je vais pas tester bêtement. Mais bon. Je me souviens de ta position. Non, le plus intéressant c'était là-bas. Pas mal, pas mal. Oula. On avait un autre. Voilà, qui dormait. Et normalement, j'ai la carte là. Si j'arrive. Voilà. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je sauvegarde. J'espère que tu t'es pas refilé ma crève. Écoute, je sais pas, mais je suis barbouillé. J'ai l'impression d'avoir un truc au fond de la gorge, un petit truc qui me travaille. J'ai plus mal au bide pour le moment, mais c'était il y a une demi-heure. J'ai à nouveau mal au crâne, mais je suis déglingué. Là, je suis bouffé par le mal, à croire que c'est un truc qui est vicieux, qui essaie de trouver le talon d'Achille. Quel est l'organe le plus faible, histoire que je le contamine à mort et me foute patraque. Parce que là, j'ai eu différents états depuis quelques heures.
Ma douleur est... se promène. C'est bizarre. Je viens de rembarrer un démarcheur de trucs d'énergie. Ouais. Ah, il faut refaire le labyrinthe, là, j'aime pas. D'ailleurs, je sais pas si j'y gagne quelque chose, mais... Oh, c'est chiant. D'ailleurs, je soupçonne un passage secret dans le coin. Il doit sûrement y avoir un passage secret dans le coin. Vous vous chauffez comment? J'habite dans une caravane. Il a raccroché. Pas mal. Mais je crois que je vous l'avais déjà raconté, celle-là, de ma part. Les démarcheurs, il y a des années de ça, quand j'étais plus jeune, je répondais au téléphone pour mon papa, parce que mon papa était tellement désabusé de tout ce qui est téléphone. Il me laissait répondre, en fait. Et jusqu'au jour où il m'a grondé, parce qu'en fait, les démarcheurs, j'adorais les mener en bateau et leur raconter des bobards. Re-Chris. Et une fois, enfin, là, je me souviens de la fois où mon papa m'avait grondé. En fait, je m'étais amusé à faire croire qu'on avait plusieurs propriétés, mais pas des petites. Un peu comme l'île de Killintang, vous voyez. En gros, je faisais croire que papa avait un château et maman avait un manoir. Et quand je répondais aux questions du gars qui était au téléphone, le démarcheur... Je vendais une vie de rêve, quoi, un truc de fou furieux. Je disais, ah, mais non, mais il faut que je demande au majordome, je sais pas, monsieur. Ah, mais ça, c'est la gouvernante, vous voyez. Et j'inventais une vie de rêve où, oh, vous savez, on a plusieurs garages, un truc de fou. Et puis mon papa avait raison, il disait, non, fiston, faut que t'arrêtes tes âneries là, parce que tu risques de nous faire avoir des problèmes. Pour peu qu'il y ait un agent du fisc ou je sais pas quoi qui mène l'enquête, on va vraiment avoir des ennuis. Et depuis ce jour, j'ai arrêté de raconter des bobards. Alors, c'est pas que je leur rechonnais sèchement, mais je leur fais comprendre sérieusement que je suis pas intéressé et que j'ai des motifs de rappeler, quoi. Voilà. Mais c'était une époque, je me marrais bien à raconter des gros bobards et à faire mon mythomane avec les démarcheurs. C'était rigolo pour moi. Bah, ça aurait été une de mes âneries, on va dire, adolescent, jeune adulte. C'est rigolo. Bon, je joue pas trop mal. Je vais peut-être sauvegarder. Oui, il reste quoi? Une trentaine d'ennemis à... Oh là là, à déloger. Dur. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de munitions. J'ai intérêt à réussir mes tirs au but, moi. D'une certaine manière. Merde, je l'ai vu. Voilà. Oh, le salopard! Il se présente même pas à moi, il arrive à tirer en biais depuis l'angle. Salopio. Oh là là. Oui, donc là, on avait dit qu'il n'y avait pas de... Hop, hop, hop. Oh, c'est laser à la noix, c'est nul. Wow! J'ai délogé un excité là, il m'a tiré au pistolet mitrailleur. Ah, c'était lui. Ouais, bah j'ai plus rien à y faire dans cette zone. Non, bah la suite c'est par là quoi. Attendez, je sauvegarde. Parce que ma progression est vraiment correcte. Je l'ai pas provoqué apparemment. Wow! Oh, les salopards! Ils sont sur le qui-vive. Comment qu'ils me saucent? Ah,
Attends, il y a une cochonnerie là. Voilà. Alors, un corridor. Non mais sérieux, il n'y a pas de passage secret là? Oh! Il y a quelque chose qui me tire dessus. Merde, 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 c'est pas la bonne arme, c'est pas la bonne arme, la bonne arme, la bonne arme! La bonne arme! Feu! Waouh! J'ai failli crever! Wouh! Je sais plus où j'en étais, mais du coup. Ah! Pourquoi il réagit pas, lui? Pourquoi il s'ouvre pas? Tirer dedans? Non. C'est pas le moment, d'ailleurs, je perds des munitions. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ou alors, il se pousse différemment. Il se pousse, je sais pas comment. Wow, je me fais allumer. Oh merde. Oh merde, il y a un soldat en armure. Je l'entends. Lui, c'est un gentillet encore. Il y a vraiment du lourd là. Vous avez dû l'entendre, le bolom, bolom, bolom. Voilà! Il m'a tué! Aïe, aïe, aïe. Je continue encore un petit peu. J'essaye de les zigouiller, puis sinon, on passe au tableau mystère, et puis je rends l'antenne là. Puis je vais me restaurer. Mon corps me demande de l'énergie. Je vais manger de la salade à midi, ça me fera du bien. Je vais me goinfrer de salade. Restaurer une mission 2, je crois, hein, c'est ça. Oula, qu'est-ce que tu nous fais, une scène. Alors, le dernier qui m'a appelé, j'ai pris la voix la plus grave et j'ai joué de l'amoureux. Oh mon dieu. Merde, j'ai failli le louper. La cavalcade arrive. Non, je suis mort. Ah, oh, dur. Comment je fais pour le battre, lui? Poser des mines. Enfin, il va falloir que je pose des mines. Ah, il faut que je joue avec les mines au sol. Il faut que je retrouve la touche et que je gère bien. Parce qu'évidemment, on peut mettre le pied sur ses propres mines, sinon c'est pas drôle. Voilà! Aïe, aïe, aïe. Oh, le salaud! Il m'a défouraillé. Pardon, je deviens vulgaire. Le salopio, il m'a défouraillé. Alors, je vais poser des mines. Normalement, c'est comme ça. Non, je joue mal. Je joue mal. Allez, tente une dernière et puis après, hop. Tableau mystère une dernière fois. Je vous rappelle l'indice. Une aire de pique-nique. Ou assimiler. Ah, ça c'est sympa parce que là pour le coup j'ai récupéré de la munition. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oh merde, il était déjà là l'autre. Et en fait il attendait la queue le. Bon, je referai quand je serai plus en forme. On va stopper là les dégâts. Hein. Bon. Touk. Ah.
Alors, je faisais à manger. Oui, tu faisais ta popote, t'as bien raison. Bon appétit à toi, Zex. Je vais pas tarder à croquer de ma salade, moi. Ça donne rien ton indice pour le moment, mais d'autres parmi vous vont peut-être chercher encore et encore. Mais voilà, non, c'est mon indice du week-end. C'est une aire de pique-nique camping, entre autres, à l'américaine. Hein, on voit que c'est un décor à l'américaine. C'est toujours le même tableau, ouais. Vous séchez dessus. J'ai pas eu de proposition cette semaine. J'ai ouvert tout à l'heure ma liste où vous déposez vos réponses. Et en fait, la dernière réponse, elle date du 9 janvier. C'était une ânerie en plus. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Que moi, je vous retrouverai. Je vous retrouverai théoriquement, c'est pas du sûr, mais la probabilité est élevée. Je reprendrai l'antenne lundi après-midi. Lundi après-midi à partir de 14h, je pense. Mais attention à l'agenda de FunFan qui diffuse quasiment tous les jours maintenant. Donc s'il diffuse l'après-midi lundi, je diffuserai le soir et vice-versa. Il diffuse le soir, je diffuserai l'après-midi. S'il fait ce dernier scénario qui m'arrangerait, d'ailleurs j'ai envie de dire au niveau énergie, j'ai plus d'énergie l'après-midi que le soir, je pourrais lui faire en plus un relais de chaîne. Mais libre à lui de choisir, il proposera son agenda de la semaine demain soir, dimanche soir. Que dire d'autre? Merci de votre présence, merci pour ce que j'appelle les joyaux, là, tout ce qui est bits et cheers, merci Chris. Merci à ceux qui ont contribué à la cagnotte de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci tout simplement d'avoir été là. J'espère que j'aurai su vous divertir. Ah, il y avait pas mal d'animations ce matin hein, au niveau des vieux FPS rétro. Quoi? Oula, vous discutez de trucs entre vous, c'est un truc de fou. Au McDo, oui. À plus, Chris. Bon app, bon week-end. Merci d'avoir été là, Chris. Bisous. Ah, tu veux revoir rapidement le tableau? Bien sûr, bien sûr. Alors, je rappelle que le tableau mystère en cours est déposé dans mon Discord. Ceux qui veulent avoir accès, ou alors vous faites votre propre capture d'écran éventuellement, mais. Surtout que je rappelle l'indice en fait dans le Discord. Donc, mon indice, je vais le rajouter tout à l'heure quand j'aurai rendu l'antenne. Oh, il fait dodo, FunFan, il fait dodo. Mince. Donc on se retrouve lundi après-midi me concernant. Cet après-midi, ce soir, je ne sais plus quelle heure, vous avez FunFan, évidemment l'ami FunFan qui prendra l'antenne. Est-ce que je peux vous faire un relais de chaîne? Y a qui là? Tac, tac, tac. Ah bah il y a Nounours. Ah bah ça va être cool de dire bonjour à Nounours. On va aller chez Nounours, tiens. Tic. Donc prenez soin de vous. Et puis voilà, moi je vais me restaurer, je vais essayer de ne pas tomber plus malade. Je vais m'accorder du repos en début d'après-midi, avant de continuer ce que j'ai prévu de mon week-end. Et on se retrouve lundi après-midi. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Voilà, va y avoir le relais de chaîne qui va se faire. Bisous tout plein. Merci d'avoir été là. Allez, zou, chez l'ami Nounours. Il est adorable, Nounours. Bye bye. Ce matin, on n'en fait pas. J'ai vraiment envie de faire du rallye, de papoter.